Salutations, salam à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, moi ici, ça va très très bien, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Tout va très bien. 31e émission, épisode de La Pire Génération. Et comme d'habitude, j'ai avec moi mon premier commandant, Malik. Salam mon frérot, comment est-ce que tu vas? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous, que la paix soit sur vous et que la paix soit sur ceux qui suivent la guidée. Sur ceux qui la méritent. Donc, bienvenue encore une fois. RPTV Wars, épisode 3, la revanche des souverainistes. La revanche des souverainistes, excellent, frérot. Et comme d'habitude aussi, j'ai mon second commandant de la flotte RPTV, cuisinier par la même occasion, Bilal. Salam, mon frérot, comment est-ce que tu vas? Alors, Bilal, il est figé, comprends pas. Un petit problème de connexion. Bilal, on t'a dit, si tu fais des émissions, c'est avec la fibre et pas la DSL ou pas les données mobiles hein, sur ton, que tu répercutes sur ton téléphone. Bah, écoutez, Bilal est figé. Ah, bah, voilà. Il est figé, énervé. Bilal, tu nous entends ou pas? Là, ça y est, je vous Bilal, entends. Je crois que en ce moment... Oh là là, là ça bug, ça bug, Bilal. Essaye de régler ça. Essaye de régler ça et après on va démarrer. Salam alaikum, vous m'entendez? Ouais, tu nous entends toi ou pas? Ah bah ça bug. Bah écoutez, Bilal va nous rejoindre. Et bien sans plus tarder, moi je vous dis, il est chaud, on a discuté un peu en off. Comme à son habitude, hein, c'est le GOAT. Voilà, c'est the greatest of all time. Il n'aime pas qu'on parle anglais. Mais on va le faire quand même, hein, c'est histoire de bien le présenter. On le reçoit pour la troisième fois, mesdames et messieurs, le sieur Henri de Lesquin. Bonsoir, monsieur. De Lesquin, professeur. De Lesquin. Alors, c'est de Lesquin ou de Lesquin? Alors, il faut. De Lesquin. D'accord, très bien. Ok. Je note avant que je me fasse gronder pour la prochaine. De Lesquin. Le S se prononce. L'aéroport de Lille s'appelle Lesquin, mais ça n'a aucun rapport. Pour moi, on dit Lesquin. On prononce le S. Pas de problème. Ah bah écoutez, pas de problème, autant pour moi. Eh bien, écoutez, ravi de vous recevoir pour une troisième émission. La dernière, c'était... réciproque. Merci. C'était, salut. Je dis salam alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Wa alaikum salam. Et au Kabyle, je dis Azoul. Azoul. Azoul Flaouen même. Azoul au Kabyle, voilà. Voilà. Eh bien, on va commencer sans plus tarder. Mais avant de commencer, on va faire, comme la tradition le veut, on va saluer tous les gens du chat. Nassim, Utopiste et entre elles, nos modératrices, Serge, Hors Norme, Moh, Éducation et Résistance, Jacqueline, un grand bonjour à toi Jacqueline, qui nous suit depuis la Belgique, Dalila, Jules, et tous ceux qui nous rejoindront, Amiable, et tous ceux qui sont là et qui nous rejoindront pour la suite. Très bien. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, Bilal, tu as des problèmes de connexion. Alors, Bilal, tu nous entends mieux, là? Ouais, je vous entends mieux. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la pluie qu'il y a eu chez moi tout à l'heure. Mais c'est compliqué, on va dire, aujourd'hui. Voilà, mais on va faire un appel aux dons pour payer les factures à Bilal, parce qu'apparemment, c'est un peu compliqué en ce moment. Et voilà, parce que... Bon, mes factures sont payées. Ah, bon, ben nickel. Parfait. Alors, juste Bilal, ta petite phrase avant de commencer. C'est le rituel, hein, tu connais? Ah, eh oui, le rituel. Nous ne sommes pas des enfants de cœur, nous sommes RPTV. Je peux pas commencer une émission de la pire génération. Oh, ah oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Très bien. Écoutez, bah, on va pouvoir. C'est on la va tradition. Pouvoir Il faut perpétuer les traditions. Et je pense que monsieur de Lesquin. Va être plus que d'accord avec ceci. Bien sûr, sachant que les traditions dépendent des peuples et des civilisations. Elles ne sont pas les mêmes partout. Complètement. Très bien. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, monsieur de Lesquin, c'était journée de grève nationale par rapport à la réforme de retraite, etc. Certains ont leurs avis, certains estiment que ça ne sert à rien de faire des manifestations. Certains estiment que c'est manipulé par la CGT, etc. Quel est, vous, votre avis un peu sur tout ça et sur cette réforme des retraites aussi? C'est une bonne question. Alors, je vais commencer par une plaisanterie.
Je suis contre la retraite à 64 ans parce que je suis pour la retraite à 67 ans, comme en Italie. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ma position. La position que nous défendons, c'est une réforme entièrement différente de celle à laquelle on procède. Le régime par répartition que nous avons en France, comme il l'est d'ailleurs dans d'autres pays voisins, repose sur des paramètres. Il y a un âge de départ à la retraite et puis des pensions de retraite et des cotisations qui sont fixées par le gouvernement. Nous nous proposons d'adopter le système suédois qui a été analysé et proposé en France avec une adaptation par le professeur Jacques Bichot, B-I-C-H-O-T, professeur Jacques Bichot. Ce système est le plus intelligent, le plus juste et le plus efficace. Le premier principe, c'est qu'on institue une retraite par points, répartition mais retraite par points. Plus on Ça règle la question des carrières longues. C'est-à-dire que plus on a travaillé, plus on a accumulé de points. Au passage, ça permet d'ailleurs d'ajouter des points à ceux qui ont eu des enfants. Évidemment, moi j'ai eu 5 enfants, dans un système de retraite par répartition bien conçu, j'aurais eu droit à des points supplémentaires pour tous les enfants que j'ai eus. Puisque ce sont eux ensuite à la génération suivante qui vont payer les pensions. Deuxième principe, la liberté de l'âge de départ de l'âge de la retraite à partir d'un certain âge de minimum, par exemple 62 ans. Troisième principe, le plus intelligent peut-être et le plus difficile à comprendre, parce que c'est mathématique, neutralité actuarielle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge de la retraite, on a une espérance de vie calculée mathématiquement, comme pour les pensions viagères. Et donc plus la vie étant ce qu'elle est, et comme nous ne sommes pas éternels, plus on prend tard l'âge de la retraite, plus l'espérance de vie est courte. Ce qui veut dire que la liquidation des points, ou du capital représenté par les points, est plus importante. Plus on part tard, plus on accumule de points, et plus l'espérance de vie étant courte, plus la neutralité actuarielle fait que le montant est élevé. Donc c'est un système qui permet à chacun, chaque année, il reçoit une lettre de la caisse d'assurance retraite qui lui dit, voilà, si vous partez maintenant, voilà ce que vous aurez. C'est très intelligent, c'est efficace, et c'est de plus automatiquement équilibré, puisque l'État n'a qu'à fixer les cotisations de retraite, et le montant des pensions que chacun reçoit en résulte automatiquement. Ouais. Alors sinon, quand même, permettez-moi de faire également une observation sur les grèves. À mon avis, le droit de grève est illégitime. La grève consiste pour des salariés à se coaliser pour refuser d'appliquer leur contrat de travail. C'est donc une violation du principe de la liberté du contrat de travail entre l'employeur et le salarié. Alors, je ne propose pas, ce serait difficile de le faire passer, d'annuler le droit de grève qui n'existait pas avant 1880, aussi en France. Hein. Je propose simplement qu'il soit aménagé et encadré. Je propose aussi surtout que l'employeur ait le droit de licencier sans indemnité toute personne qui fait la grève, sauf si cette grève porte sur les conditions de travail. Mais si c'est une grève qui porte sur une réforme politique comme le régime des retraites, ça ne concerne pas l'entreprise, et cette grève est du point de vue de l'entreprise illégitime. Alors, il ne suffit pas de ne pas payer le salarié pendant le temps de sa grève, c'est le minimum. Il faut encore. Là, je vois une dame voilée. Me trompais-je? Non, c'est un camarade, c'est Kentra. Salut Kentra, comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi de mon retard. Il porte un masque. Non, il est encore plus blanc que vous et la lumière le rend transparent en fait. Ah, c'est un fantôme, hein. Non, j'y crois. Bon, en tout cas. Non, mais c'est que j'ai mis une lumière. Voilà pour la retraite, Alors, cela dit, je me souviens qu'avant Mitterrand, en France, l'âge de la retraite était à 65 ans, donc le repousser à 65, à 64, c'est un minimum, ça résulte tout simplement dans le système actuel, qui est mauvais. Le fait que l'espérance de vie augmente, et les gens ne font pas d'enfants, donc la pyramide des âges se déséquilibre, et ça justifie un report de l'âge de la retraite. C'est fini, sur ce sujet. Donc pour vous, c'est-à-dire que avant de laisser tourner la parole, c'est que si je résume bien, pour vous l'âge de la retraite doit être repoussé à 67 ans, mais
sous une autre forme, c'est-à-dire en incluant, par exemple... Ah non, non, vous n'avez pas compris. J'ai fait deux propositions différentes. La première était un peu une plaisanterie. Ah, ok. C'était 67 ans, mais ce n'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que, puisque ça existe en Italie, on devrait le faire aussi en France. Dans ce régime actuel, qui est mauvais, un régime de paramètres, je propose autre chose. Derrière Jacques Bichot, le système suédois, qui se résume en trois points... retraite par points, liberté de départ de l'âge de la retraite et neutralité actuarielle. Alors, il y a une question, il y a une réflexion, enfin, il y a plutôt un argument dans le chat qui dit « La grève est un droit constitutionnel » de Serge Tell, que je salue au passage. C'est un droit constitutionnel, la grève, monsieur de Lesquin, il faut respecter la loi. Ah ben, j'ai bien entendu, mais moi je propose de modifier la Constitution. D'accord. Il y a beaucoup de choses à changer dans la Constitution. Hein. Oui, clairement, j'imagine. Très bien. On va commencer par... excusez-moi, non, je me suis mal exprimé. Non, en réalité, comme je l'ai dit, je ne propose pas, pour des raisons politiques évidentes, de supprimer le droit de grève. Je propose de l'encadrer. De l'encadrer très strictement, comme a fait Mme Thatcher en Angleterre, en imposant des préavis, en interdisant de faire la grève pour des sujets qui ne concernent pas la vie de l'entreprise. Donc, par exemple, la grève pour s'opposer à la réforme des retraites est une grève, pour moi, illégitime. Ben, toute grève est illégitime, mais elle est particulièrement illégitime parce que, et dans la loi que je voudrais pour encadrer le droit de grève, elle serait carrément interdite et les syndicats qui les décideraient seraient lourdement pénalisés. Très bien. Alors, Kentra, justement, je vous présente Kentra. Hein, je vous ai expliqué tout à l'heure, il a rejoint notre équipe récemment. Et donc, Kentra, je te laisse te présenter Henri à Monsieur de Lesquin. Et c'était une question. Mais non, parce qu'il s'appelle Kentra et moi je suis né à Kenitra. Oui. Alors, ouais. Autrefois Parlioté. Quand je suis né, c'était Parlioté, c'était sous le protectorat français. Par le feu maréchal Lioté, effectivement. Ouais. Kentra, je te laisse te présenter et si tu veux réagir un peu à ce que Monsieur de Lesquin a dit, après on. Oui, alors tout d'abord, bonsoir Zied, bonsoir Malik, bonsoir Bilal et bonsoir Monsieur de Lesquin. Excusez-moi de mon retard, ouais, j'étais à la boxe. J'étais à la boxe, j'étais un petit peu pressé. Donc, je dois poser une question, c'est ça ? Ouais, je te laisse te présenter à M. Delesquin. Ah oui, bien sûr. Et si oui, tu veux revenir sûr. Sur... Ouais. Oui, alors moi, je m'appelle Kentra, de ma chaîne YouTube Kentra Actu. Je fais des vidéos YouTube, voilà, un petit peu politique. Et aujourd'hui, je vais vous poser une première question, M. Delesquin. Alors, vous êtes pour la rémigration, effectivement. Oui. Vous aviez essayé de participer à la présidentielle de 2017, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai rapidement renoncé en soutenant Fillon. Oui, pour barrer mon but, c'était le moindre mal, pour barrer la route à Macron. Je ne devrais pas dire Macron. Pour barrer la route à l'abominable Macron. Pour la fin de Macron. D'accord. Effectivement, vous êtes pour la rémigration, ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais aujourd'hui, on a atteint un stade, un point de non-retour avec l'immigration. Et c'est là où je me dis, ne faut-il pas maintenant procéder à une sorte de réconciliation nationale pour limiter les dégâts, puisqu'on fonce droit vers la guerre civile si on est pour la rémigration. C'est l'inverse, c'est la rémigration qui nous évitera la guerre civile. Moi, je propose une rémigration raisonnable. J'avais proposé, comme j'ai une formation mathématique d'origine, une relation algébrique. Actuellement, si on pose x égale le nombre des entrées, y le nombre des sorties, x moins y égale au moins 200 000. C'est-à-dire qu'il rentre deux fois plus, 200 000 personnes de plus qu'il en sort de France. Bon. Et je propose de passer de plus de 200 000 à moins 200 000. C'est ça la rémigration, ce qui fait 2 millions d'immigrants en moins sur sachant que ceux qui doivent partir, ce sont ceux qui ne sont pas assimilés. On parle toujours des délinquants, bien sûr, ouais. Les délinquants, ça va de soi. Après qu'ils aient exécuté leur peine. Mais ça, donc, c'est si vous êtes au pouvoir. Pardon ? Mais ça, c'est oui, ça, non, si, mais, si vous êtes au pouvoir. Si je suis au pouvoir, c'est ce qui se passerait, mais je peux toujours lancer des idées en espérant qu'elles seront tout le temps reprises. Parce que moi, je parle surtout actuellement, parce qu'aujourd'hui, on voit que les pouvoirs sont quand même assez bouchés, c'est-à-dire que pour rentrer en politique, il faut quand même avoir du réseau, avoir quand même pas mal d'argent. Vous avez essayé, mais bon, ça n'a pas forcément fonctionné. Beaucoup d'autres aussi ont essayé, mais bon, on a Zemmour qui a réussi à accéder à la présidentielle avec ses 7%, mais bon, évidemment, derrière, il y a aussi des gens, notamment les mêmes financements que Macron. Donc, finalement, de manière démocratique et de la vue du petit peuple, aujourd'hui, prôner un discours sur la rémigration, c'est un petit peu dangereux et au final, il n'y a pas vraiment de,
n'y a pas vraiment de but final, quoi, parce que du petit peuple, le but final, c'est la rémigration. Non, mais oui, mais il faut attendre le. Je ne peux pas en passer le pouvoir. Il faut bien voir historiquement. Il faut bien voir historiquement ce que signifie la rémigration. La rémigration, c'est une solution pacifique pour éviter ce que vous appeliez, vous, je crois, Ziad, la guerre civile. Ziad. La guerre civile et le nettoyage ethnique. Ce qui est une horreur. Regardez ce qui s'est passé récemment, c'était en 1992, en Yougoslavie. Vu de Paris, vu de Versailles, où j'habite, la différence entre les Croates et les Serbes n'est pas extraordinairement grande. Hein. Ce sont des chrétiens, les uns et les autres, ils parlent la même langue, le serbo-croate. Et simplement, les uns sont catholiques, les autres sont byzantins, dits orthodoxes. Et ils sont, ce sont deux ethnies, rivales, ennemies, qui se sont entretuées. C'est l'horreur, quoi. Donc, il faut faire des choses pacifiquement. On a fait ça, d'ailleurs, dans un pays musulman qui, vrai, n'était pas tellement musulman à l'époque. La Turquie de Kemal Atatürk, ou c'est pas Kemal, qui a fait un échange de population avec la Grèce, je crois que c'était en 1923. Ça portait sur des centaines de milliers de personnes. Donc, les Turcs de Grèce ont été renvoyés en Turquie et les Grecs de Turquie ont été renvoyés en Grèce. Bon, ça a été fait très rapidement. Donc, c'est une très bonne mesure, avec beaucoup de spoliation. Monsieur de Lacan, c'est 1924, parce qu'en fait, le mouvement officiel de la République de Turquie, c'est 1924. Et c'était quelques temps après. Bon, merci pour la précision, Bigalgo. Bon, d'accord, merci pour cette précision. Donc, mais cet échange de population n'est pas souhaitable en soi parce que c'est trop brutal. La rémigration consiste simplement à dissuader les gens de rester en France. Elle devrait se faire spontanément. Si, d'abord, par le départ des immigrés illégaux, ceux qui n'ont pas le droit d'être en France, qui sont là en violation de la loi, ne devraient trouver ni emploi, ni logement, ni soins, sauf en cas d'urgence. Et donc, ils devraient repartir spontanément. Il nous faudrait incruster le système pour pouvoir procéder à ça. Parce que du petit peuple, on ne peut rien faire. Parce qu'aucune compagnie aérienne ne voudra renvoyer, sinon ça va salir leur image. Qu'est-ce que vous déjà racontez? Non, mais si si on... je vous dis que ça se fera spontanément. Le gars qui n'a... Bah oui, mais du coup, il faut attendre. Le gars qui n'a pas de travail, ni logement, il va repartir tout seul. Donc, pour l'essentiel, ça sera spontanément. Pour ce qui est des envois à manu militari, qui sont peut-être nécessaires, en particulier pour les délinquants, eh bien... Il fera comme ça, et puis au besoin, si la compagnie aérienne ne veut pas, on la réquisitionne. Dans l'arsenal législatif, il y a un instrument qui s'appelle la réquisition. Donc il faut atteindre le pouvoir pour procéder à ça. Il faut que le pouvoir tienne compte. Vous savez, il y a un risque de guerre civile, vous l'avez dit, et ça fera, ça sera horrible. Il faut éviter cela. Il faut éviter la guerre. Vous voyez, la guerre, c'est épouvantable. Donc il faut éviter la guerre. On va faire toi la parole. Merci Kentra. De toute façon, merci à toi, mec. Merci Sébastien. Malik, tu voulais revenir sur un point? Oui, alors salutations à tous. On s'est déjà salué plusieurs fois, mais bon, ce sont encore une fois les yeux coutumes. Oui, c'est pertinent le fait de. Après les dernières fois, quand vous êtes venus déjà, on avait déjà discuté de la remigration, mais Kentra n'était, je pense qu'il n'a pas vu les émissions précédentes. Donc c'est un sujet, une question qui est, entre guillemets, sur laquelle on est d'accord. C'est-à-dire qu'en islam, on a ce principe de hijra, le hijra qui est le fait d'émigrer, qui est le fait de quitter le mal, de quitter ce que Dieu déteste. Et en l'occurrence, quel que soit aujourd'hui le territoire qui appartient à l'ONU, entre guillemets, qui appartient à l'ONU, enfin, les différents territoires dont les régimes ont signé la charte de l'ONU, aujourd'hui, la situation est telle que le sécularisme est régnant. De ce fait, hein, pour le croyant, le fait de changer de pays ou de changer, de partir de l'urbain vers le rural est ce qu'il y a de mieux pour lui. On ne parle pas ici, hein, pour chacun de devenir ascète, mais pour les musulmans qui viennent en France et qui se plaignent ensuite de ne pas être satisfaits, de ne pas être accueillis correctement, etc., les musulmans, essentiellement, se doivent de réfléchir et de peser le pour et le contre, et non plus, et également de se rendre compte d'une réalité qui est que le globalisme touche toutes les nations. De ce fait, n'importe où sera le croyant, il y aura des problèmes pour lui. Des soucis pour lui. Effectivement, le pouvoir est contre cette décision-là et on a de faux opposants comme Bardella qui soutient la guerre en Ukraine et qui montre en réalité, donc il montre patte blanche
aux néoconservateurs et aux ténors, aux autres ténors du globalisme, il montre clairement qu'il n'est pas pour un réel changement et que malgré le fait que ce dernier parle de réguler l'immigration, en réalité, il s'agit d'un faux débat. Ce qu'il faut, c'est inciter ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui dont les membres de la famille ont des comportements qui ne sont pas civiques, à partir. Et on verra si chez dans les pays d'origine de ces individus, s'ils pourront se comporter comme tels. Comme on le voit aujourd'hui, hein, une délinquance qui est, ce n'est plus de l'indulgence, c'est presque du, c'est une délinquance qui est presque sponsorisée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, via TikTok notamment, des règlements de compte, des gens qui se saignent les uns les autres, et toute ethnie comprise plutôt que confondue, toute religion comprise également. Bienvenue à l'ère du globalisme, et c'est ainsi que on a l'exemple de Schengen. On nous dit encore une fois que la liberté de circulation des marchandises et des humains est nécessaire, soit, mais on ne nous dit pas qu'il faut qu'on régule celle-ci. Et quand on a de faux opposants comme Bardella qui propose de réguler une immigration qui est commandée, bien sûr, le fait est qu'aujourd'hui, et en alimentant bien sûr un discours allant dans le sens de la guerre civile, ce n'est pas ainsi que les choses seront réglées. Donc clairement, la question est claire et ce n'est voilà, le seul le fait est que nous en discutons, ce sont des idées, nous nourrissons le débat, mais le pouvoir, lui, ne voudra pas changer cela, puisqu'il est aligné, bien sûr, sur l'atlantisme et que l'atlantisme est une partie du grand globalisme. Donc c'est clair, net et précis. Merci à toi, Malik. Vous voulez revenir sur un point, monsieur de Lesquin, et après, je vous laisserai échanger avec Bigel. Plusieurs points. Le premier, bon, Allons-y. Allons-y. qui est un peu un détail, mais quand même, c'est que je préfère dire rémigration que remigration, ça me paraît plus français. D'ailleurs, c'est moi qui ai lancé la formule, l'expression rémigration, en traduisant, tardivement d'ailleurs, le grand discours de Birmingham d'Enoch Powell, que par esprit polémique, on a appelé le discours des fleuves de sang d'avril 1968, où il disait en anglais re-immigration, et donc en français, ça donne réémigration comme réécriture, réédition, rééducation. Le deuxième sujet, c'est la terminologie, mais là, ça va, c'est plus important, c'est une question de concept. Notre ami Malik a parlé de globalisme. Alors, d'abord, globalisme, c'est du franglais, puisque les Anglais, en anglais, on ne dit pas worldish, on dit global pour mondial. Donc, pour globalisme, on devrait dire mondialisme, et non pas globalisme. Mais surtout, le mondialisme n'est qu'une partie de l'idéologie dominante actuellement, qui est une idéologie pernicieuse, qui fait système, qui s'appelle le cosmopolitisme. Et le cosmopolitisme est un tout, le mondialisme en fait partie, mais il y a aussi dans le cosmopolitisme, non seulement l'atlantisme dont vous parlez, bien sûr, le libre-échange, mais aussi le mariage homosexuel, la théorie du genre, dont je parlais hier à Radio Athéna, avec Claire de Gatelier, et la transsexualité. Vous savez que aujourd'hui, en France, si vos enfants sont à l'école et qu'ils ont envie de changer de sexe, eh bien, toute l'école va les aider dans cette transition sociale, comme on dit dans le jargon cosmopolite, et on interdit à l'école de prévenir les parents. Donc on est dans un monde fou. Alors la deuxième conséquence, enfin le troisième aspect qui est important, c'est que le cosmopolitisme en question, qui n'est pas seulement le globalisme ou le mondialisme, est une voie de perdition pour les hommes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, ils sont exposés à une idéologie destructrice de l'âme. Et moi je vois ça pour les chrétiens, mais les immigrés musulmans qui sont en France, ou les Français de sang qui sont convertis à l'islam, ils sont soumis à une propagande cosmopolite, qui est une propagande idéologique, puis qui est une propagande aussi matérialiste, avec la pornographie par exemple, hein, qui se donne libre cours de toutes les façons. Donc le cosmopolitisme, c'est l'ennemi principal de tous les hommes de bien et de tous les hommes de Dieu. Bigal, tu reviens sur un point? Et après, on va passer à la thématique suivante. Oui, le point sur lequel... Est-ce que déjà, vous m'entendez bien ou pas? Oui, là, parfait.
Désolé les frères, et désolé encore une fois pour notre invité. J'oublie un détail par rapport au fait de changer de population ou d'échanger de population. Le président Jemal Abdel Nasser, égyptien, l'avait fait durant la crise du canal de Suez. Suez, exactement où il avait renvoyé 70 000 juifs vers Israël. Donc pour éviter qu'il y ait des pogroms et des massacres à cause des relations plus que conflictuelles. Voilà. On continue, Bilal. Oui, pas de souci. Je disais, si on revient à la thématique centrale, enfin la thématique de base qu'on est venu, là on a dérivé sur la rémigration, mais de base la thématique centrale, c'est tout ce qui est le droit de grève et la réforme des retraites. Déjà, ce qu'on oublie beaucoup, et ce que beaucoup de politiciens oublient, c'est quoi? C'est que tout simplement, aujourd'hui, reculer le départ à la retraite, on en vient en fait aux mêmes statistiques que la majorité des autres pays, c'est-à-dire même maintenant, la majorité des pays prennent leur retraite vers ces alentours-là, entre 60 et 62 ans, parce que lorsqu'ils disent par exemple qu'en Allemagne, l'âge de la retraite c'est 67 ans, où ils prennent exemple sur ces pays-là. Ce qu'ils oublient beaucoup, c'est que c'est l'âge maximal à laquelle on a le droit de travailler avant de se faire, entre guillemets, envoyer de force à la retraite. C'est ça ce que beaucoup de politiciens et de chroniqueurs et de propagandistes d'État dans cette magnifique institution qu'on appelle la télévision publique oublient de mentionner. C'est un premier point. Donc, de toute façon, de manière générale, il faut que les gens aient le libre choix. S'ils veulent continuer à travailler jusqu'à 68, 69, 70 ans et qu'ils ont les capacités physiques et qu'ils aiment leur travail, grand bien leur fasse. Mais que ce soit d'un côté, on va dire, les gauchistes, qui, eux, parlent de la retraite à 60 ans, point barre, c'est-à-dire qu'ils obligent tout le monde à prendre la retraite à 60 ans, et peut-être des gens qui ont un métier, qu'ils ont encore la capacité de continuer pendant peut-être 5, 6, 7, 8 ou 10 ans, qu'ils aiment faire, mais ce qu'ils ont. Donc, en fait, eux, par principe de liberté individuelle, ils vont punir le collectif. Parce En que. ré, en, en réalité, en réalité, le retraite à 60 ans ou à 65 ans, l'âge de la retraite, c'est l'âge de la retraite à taux plein. C'est-à-dire qu'on peut partir à la retraite avant, mais on n'obtient pas le taux plein pour la pension. Et de plus, l'employeur n'est pas forcé de mettre les gens à la retraite après l'âge légal qui permet d'obtenir le taux plein. Voilà. Mais en tout cas, en Allemagne, c'est ce qui se passe. Après, en France, on a un système tellement particulier que selon notre profession, le taux plein aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est 68 ans. Ma mère est en train de préparer sa retraite. Elle va toucher une retraite misérable. Parlons peu, parlons bien. Et tout ça pour avoir quasiment bossé toute sa vie. Et si elle voulait avoir son taux plein de la retraite, c'est 68 ans. C'est-à-dire que concrètement parlant, ceux qui nous disent qu'aujourd'hui, il faut reculer l'âge de départ à la retraite, si tu veux avoir ta retraite à taux plein, tu es obligé de travailler jusqu'à 68 ans déjà de base. Non, ça dépend de la durée du travail. C'est-à-dire que votre mère ne doit pas avoir les 42 ans qui sont, je crois, demandés. Les En 42 fait, ans, ça, ça a été compliqué. Là, je vais devoir rentrer dans des détails personnels. les Je vais devoir 42 rentrer habitudes. dans des détails personnels où je n'ai pas forcément envie. Non, pas besoin. Pourquoi? Non. Oui, voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est. Je crois que. Mais en tout cas, oui, c'est surtout aussi parce qu'elle est en profession libérale. Et que les professions libérales, généralement, sont beaucoup plus lésées que le salariat, Ah, j'ai de oublié de dire manière une générale. chose. Je vais vous dire une chose, pardon, c'est que je suis Allez-y, évidemment Tonton. pour la disparition des régimes spéciaux. Il faut la logique de la retraite par répartition, c'est qu'il y a un régime général qui englobe toute la population. Exactement. Et ça, je suis complètement d'accord. Et justement, vous me lancez une passe en profondeur. Vous devriez être chronique. Vous devriez quitter Radio Athéna pour venir sur Radio Principe TV. Voilà.
Mais vous me faites vraiment une passe en profondeur, c'est-à-dire que aujourd'hui, les régions. Radio Athéna, je fais une émission de 2 heures toutes les 2 semaines, donc ce n'est pas très fatigant. Ah bah. Quand j'étais à Radio Courtoisie, j'ai fait ça pendant 11 ans, j'avais une émission de 3 heures toutes les semaines. Ah, ici, on a des émissions tous les jours ici. Propose un poste. C'est ce qu'il faut, c'est bien. Exactement. Bah, merci monsieur Delesquin. Vas-y, Miguel, je te laisse continuer, après on va passer à l'autre thématique. Ouais, il n'y a pas de souci. Et donc, pour revenir aux régimes spéciaux, c'est tout comme le droit de grève, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de généralisé à l'ensemble des gens, c'est-à-dire que demain, par exemple, on va prendre un exemple qui va nous parler à tous les trois. Par exemple, demain, à tous les 5. Attention, pardon. Nous sommes 4. Non, 5. Oui, on est 5. On est 5. Excusez-moi, c'est... On est 5 et t'es en train de parler des régimes de retraite et t'arrives même pas à compter on est combien. J'ai pas mangé, mon cerveau il est en vrac, j'ai pas eu le temps de manger. 5 c'est le nombre de doigts. Vous voyez, c'est facile de se faire. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, parce que j'en ai que 3, c'est pour ça. Loupin, estropié. Voilà. Mais non, plus sérieusement, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous, en tant que travailleurs ou non, demain, on veut se mettre en grève, justement pour des régions si on prend la loi aujourd'hui, si demain on veut se mettre en grève pour des raisons, par exemple, tout simplement éviter une certaine propagande dans notre entreprise, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus la propagande. On va dire cosmopolite, pour LGBT, cosmopolite, etc. Voilà. LGBT, durabilité, etc. C'est délirant. Dans les entreprises, c'est délirant. Voilà, c'est ça. Et si nous, on veut refuser cette propagande-là en entreprise et qu'on se met en grève pour ça, bien sûr, non, on n'aura pas le droit. Par contre, demain, qu'une petite bande d'élitistes prennent en otage l'ensemble des entreprises, parce qu'il faut aussi parler peu, faut parler bien. Et là, je vous parle vraiment en connaissance de cause, parce que je connais très bien ces milieux-là. Avant, j'étais dans les milieux vraiment d'extrême-gauche, militants, etc. Et je peux vous dire une chose, il n'y a pas pire que les syndicalistes d'extrême-gauche. C'est-à-dire que ces gens-là sont capables de prendre des couvertes. Excusez-moi, mais nous sommes au courant. Hein. Voilà. Non, mais ça, c'est pour les gens. Ça, c'est pour les gens qui le découvrent justement, qui ont jamais tenu le piquet de grève, etc. Si on peut parler comme eux. Il n'y a pas pire que les syndicalistes d'extrême gauche. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont capables de prendre en otage des pères de famille qui eux ont des factures à payer, des familles à nourrir, etc. Parce que ce qu'ils oublient, c'est que lorsqu'on est en grève, notre journée de travail n'est pas comptée. C'est ça que les gens oublient. Et que forcément, lorsque des leaders syndicaux, ou bien sûr, c'est une bande de copains entre eux, qui se font les CE entre eux, qui s'organisent les CE entre eux, leurs droits entre eux, et bien sûr, si t'es pas dans ce petit réseau de copains, dans ce petit lobby de copains au sein de l'entreprise, t'as le droit à rien. C'est-à-dire que le festival de l'humanité, couscous merguez pahlel et concert de Suprême NTM à d'autres parce que c'est hein. On va avancer Bigal, on va avancer, vas-y, je te laisse terminer. Juste deux secondes, je finis de les tamponner et après on passe à autre chose, t'inquiète. Justement, ça fait partie du sujet d'après, vas-y. Voilà, juste 2 secondes, je finis de les tamponner, on arrive. Et regarde, le droit de grève aujourd'hui, c'est le droit de grève d'une élite bien pensante qui impose les choses au reste des gens ou qui prend en otage l'ensemble du peuple français. Et c'est là où c'est problématique et c'est là où vous allez dire « Ah, mais tu fais ton Macron ?» Non, je suis pire que Macron. C'est-à-dire que ces gens-là, faut tirer à balles réelles. Parce qu'au bout d'un moment, cette petite élite qui décide de prendre en otage l'ensemble d'un pays, qu'il y ait des révoltes populaires, c'est une chose. Mais regardez comment tous les syndicats ont essayé de rattraper le mouvement des Gilets jaunes. Regardez comment tous les syndicats, quand ils ont commencé à se faire virer, regardez comment ils ont craché sur les leaders des Gilets jaunes. Bande de fascistes, antisémites, etc., etc. Vous êtes qui? Vous vous reproduisez entre vous?
Vous faites de l'endogamie, vous critiquez après les gens qui veulent réellement faire du conservatisme. Bref, j'arrête, sinon ça va durer 2 heures. Voilà, non, mais c'est ce que j'allais te dire. Mais de toute façon, on va passer sur ce sujet-là. Mais juste une petite parenthèse. Merci, Bilal. Merci de cet argumentaire, c'était très intéressant. Monsieur Delesquin, juste une petite parenthèse avant de passer à la prochaine thématique. Vous avez pensé quoi de Macron, là, ses petites vacances en Afrique centrale? Ouais, au Congo. Les petites vacances de Macron là en Afrique, vous en avez pensé quoi? Écoutez, c'est dérideur. Moi, je vois avec tristesse que la politique de coopération entre la France et l'Afrique noire est en lambeaux. La France de Macron a réussi à se faire détester au Mali, alors que l'opération Barkhane avait sauvé le Mali de subversion. Et maintenant, c'est en Burkina Faso que la France est mal vue. Donc, non, c'est un désastre. Hein. Parce qu'on a vu. La française en Afrique noire est depuis quelques années, avec Macron, un désastre. On l'a même vu bière à la main avec des artistes congolais dansant en boîte, machin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, mais ça, c'est un autre aspect des choses. C'est que ce personnage est un pitre, il est ridicule. Alors, il est ridicule. Vous avez peut-être vu son attitude lors de la finale de la Coupe du Monde de balle au pied au Qatar. Ouais. Il était ridicule, il trépignait comme un gosse. C'était vraiment. C'était quand même le chef de l'État français qui était là et qui abaisse notre pays. Vous avez réussi à dire la Coupe du Monde de balle au pied. Ah oui, c'est en français ça. En anglais, football. En anglais, balle au pied. En français, balle au pied. Non, bien. Ouais, non, mais je vais bien dormir ce soir. En français, on ne dit pas un match de football, on dit une partie de balle au pied. Faut que je me reconcentre là. Non, mais c'est excellent. Franchement, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Faut qu'on arrête avec l'anglicisme. Je suis complètement d'accord avec vous. Et faut s'en dépatouiller comme nous, qui venons des banlieues, faut se dépatouiller des valeurs de gauche là. Vous avez une raison de s'en dépatouiller, comme vous dites, c'est que l'anglais est la langue du cosmopolitisme. Donc en acceptant l'anglais, plus ou moins, peu ou prou, on reçoit les idéologies cosmopolites. Exactement. Merci à vous pour ces précisions. On va passer à la thématique suivante. On est en train de le voir, vous en avez parlé, je crois tout à l'heure, vous l'avez évoqué rapidement, de ce qui se passe à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est un cirque. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des deux clivages qu'on a, c'est-à-dire une droite d'un côté qui n'a plus rien de la droite et une gauche complètement, comme je ne sais plus qui c'est qui disait ça, qui fait œuvre de maladie mentale aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux camps aujourd'hui là, parce que c'est... Alors, il n'y a pas deux camps, il y en a quatre, moi, sans parler du fait que le camp macronien se divise entre les partisans d'Edouard Philippe, Horizon, et les fidèles de Macron, Renaissance. Non, le point essentiel qu'il faut bien comprendre, ça nous ramène à la question du cosmopolitisme, c'est que la gauche a deux visages. Le collectivisme, qui a donné le socialisme, le marxisme, le communisme, d'une part, et le cosmopolitisme d'autre part. Aujourd'hui, depuis la révolution cosmopolite de 1968, depuis l'effondrement du RSS en 1991, c'est le cosmopolitisme qui a évincé le marxisme. Je ne dis pas qu'il n'en reste pas quelques bribes, mais l'idéologie dominante qui impose sa pensée unique, son cosmopolitiquement correct, c'est le cosmopolitisme. Avec par exemple la théorie du genre qui vous explique qu'on ne naît pas femme, on le devient, et que le sexe est une construction sociale. C'est tellement aberrant qu'on rigole en le disant, mais malheureusement, ça a des conséquences tragiques pour les Français. Et donc, votre question, c'était sur... La question, c'était qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du système Macron, politique vous parlez de Macron en Afrique noire, c'est ça? Non, du clivage droite-gauche à l'Assemblée nationale, qui est un véritable stir. Pour le clivage droite-gauche, donc à tort, que le clivage droite-gauche a disparu. Il n'a pas disparu, il s'est métamorphosé. À gauche, il y a les deux pôles antagonistes du cosmopolitisme et du marxisme, du collectivisme en général. Et comme le marxisme s'est à peu près effacé, il n'est pas disparu, hein, il existe encore chez Mélenchon, c'est surtout le cosmopolitisme qui domine. Et donc la droite s'oppose davantage
au cosmopolitisme est donc devenu plus national que libéral, puisque le libéralisme s'opposait au marxisme. Donc au lieu de l'opposition libéralisme-marxisme, qui résumait le clivage droite-gauche autrefois, aujourd'hui c'est le clivage nationalisme-populisme contre cosmopolitisme. Qui est d'une autre nature. La lutte des classes a toujours existé, mais aujourd'hui, la lutte des classes, pour l'essentiel, oppose tous les peuples à la superclasse mondiale qui porte l'idéologie cosmopolite et qui veut dissoudre les nations, faire disparaître les religions, éliminer les frontières. Et donc, Macron, à cet égard, est de gauche. Il est même superbement de gauche, puisqu'il est totalement cosmopolite. Et Macron, c'est l'expression de la gauche cosmopolite. Et donc, il y a deux gauches, la gauche collectiviste, représentée par Mélenchon, avec une bonne dose de cosmopolitisme, parce que les idées s'hybrident en politique, et puis la gauche essentiellement cosmopolite de Macron. Et la droite est représentée plutôt maintenant par le Rassemblement national, hein, qui est à peu près hégémonique dans ce domaine, à ceci près qu'il est essentiellement anti-cosmopolite, et qu'il a mis tellement de socialisme dans son vin libéral qu'il n'est plus guère à droite sur ce plan purement économique. Voilà, donc, alors cela dit, n'oublions pas qu'il arrive quand même aux parlementaires de faire du bon travail. Je vous signale les travaux actuels de la commission d'enquête sur le nucléaire, qui sont très intéressants, et qui démontrent que depuis 20 ans, depuis un accord électoral entre les Verts et les socialistes en 2011, juste Ziyed, il y a un commentaire qui peut être intéressant que monsieur de Lesquin et je pense que nous trois on pourrait répondre, c'est le commentaire de Aurélie, si tu le vois. Mais on va venir Aurélie, la gauche c'est les 35 heures, les congés payés, les vaccins pour les gens, hein, et la droite c'est quoi la gloire de la française, dès qu'on rigole, je comprends pas très bien. Vichy, on rigole. Là, la définition de Aurélie, c'est la gauche socialiste. Hein. La gauche est aussi le mariage homosexuel, la théorie du genre, le libre-échangisme, la supranationalité, la superstructure mondiale formée par l'ONU et les ONG, et ainsi de suite. Donc elle a une définition restreinte de la gauche. La droite, c'est d'abord le problème économique. La droite, grâce au capitalisme, a enrichi considérablement les sociétés, non seulement en Occident, mais partout dans le monde. Avant de vous laisser échanger sur une thématique que Kentra justement aborde sur sa chaîne, vous êtes de droite, on va dire dite traditionnaliste. Qu'est-ce que voilà. Vous pensez de la droite? Moi, je suis de droite, oui, je suis de la droite. Quand on rejette les traditions complètement, on est difficilement... de droite, mais je suis de droite nationale libérale, pour la synthèse entre le nationalisme et le libéralisme, qui est pour moi l'essence de la bonne droite. Voilà. Bah justement, qu'est-ce que vous pensez de la droite aujourd'hui, du Rassemblement national, comme l'a évoqué tout à l'heure Malik, qui se soumet, qui se met à plat ventre de manière complète? Non, c'est pas exact, pas de manière complète, mais c'est vrai que... Ah si, quand même. C'est vrai que quand vous avez le président du parti du Rassemblement national qui dit qu'il faut soutenir les Ukrainiens alors qu'on sait que c'est une immense supercherie... Opportunisme, comme Giorgia Meloni en Italie, par opportunisme, ou alors parce qu'ils sont financés par les Américains. Pour ce qui est de. Dans l'ensemble, pour moi, si vous voulez, j'ai voté pour Marine Le Pen et ensuite j'ai voté pour les candidats du RN parce que c'était pour moi le moindre mal. Je ne me fais aucune illusion sur eux. Oui, bien sûr. Mais j'applique en politique, et je conseille à tous mes amis d'appliquer le principe du moindre mal. Pas le mieux, c'est le moindre mal. Bon, même si on n'est pas enthousiasmé par Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est le moindre mal, voilà. Les autres sont pires. C'est simple. Kentra, tu veux revenir sur un point justement par rapport à ça? Oui, par rapport à. Par rapport à la droite aujourd'hui. Moindre droite mal. Que j'ai posé. Moi, je travaille surtout sur tout ce qui est la droite identitaire qu'on peut voir sur YouTube. Hein, Thaïs Descuffon, Julien Rochdy. Baptiste Marché, qui d'ailleurs s'est expatrié au Texas. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, monsieur de Lesquin, de Baptiste Marché qui s'est expatrié au Texas? Oh, tous ces gens-là sont des zozos, écoutez, soyons sérieux. On est d'accord. Répétez les trois noms là, que vous avez dit, c'est
Thaïs Escuffon, Julien Rochdy, Papacito, Baptiste Marché. Alors, Thaïs Escuffon, c'est une noble. Hein? Elle est d'une famille de la noblesse française. Ben, c'est pas un défaut pour moi. J'en fais pas. Bien sûr, c'est pour ça que je dis c'est quand même. Donc, c'est pas un défaut. On peut lui admettre ça. Non, mais alors, si je me trompe pas, elle est identitaire, c'est ça, elle était la génération identitaire. Oui, c'est vrai, oui, exactement. Alors, avec Damien Rigaud. Alors, génération identitaire, ce sont des gens sympathiques, bien intentionnés, et qui ont malheureusement été intoxiqués par la prétendue nouvelle droite. Et aujourd'hui, je voudrais dénoncer, j'ai fait preuve d'indulgence pendant 30 ans à l'égard de la prétendue nouvelle droite, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à espérer d'eux. La prétendue nouvelle droite, c'est ce qu'on appelait la nouvelle droite, c'est Alain de Benoît, et autrefois, ils sont morts. Guillaume Fay et Dominique Vénère. C'est le Grèce, ceux qui ont fait le Grèce. Non, c'est le Grèce. Voilà, c'est le Grèce, c'est le Grèce. Et puis aujourd'hui, c'est l'Institut Iliade, c'est la nouvelle librairie de Bousquet, François Bousquet. Bon, ils ont mis la main maintenant sur Radio Courtoisie avec un de leurs compères, l'ancien révisionniste, enfin le révisionniste Jimmy Pearson, dit Pierre-Alexandre Bouclet. J'espère que je réussirai à le déloger. Et puis sur Présent, ce qu'il en reste, ils ont racheté le journal Présent, mais qui est en faillite. Bon, alors ces gens-là se disent identitaires, mais ils ne le sont pas. Mais... L'identité en France, elle est nationale. Si on n'est pas nationaliste, on n'est pas identitaire. Et eux sont européistes. Il n'y a pas d'identité européenne. D'ailleurs, le Grèce s'appelait, ça veut dire Groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne. Il n'y a pas de civilisation européenne. Je viens de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, pour expliquer que l'Europe est un... Il y a 10 raisons du mythe européen, il n'y a pas de civilisation européenne. Il y a une civilisation occidentale, il y a la race caucasoïde, etc. Mais l'Europe, ça n'existe pas. Voilà. C'est ça le problème de ces identitaires, c'est qu'ils se revendiquent avant tout européistes. Et oui, ils font la promotion de Zemmour et de tout cela, mais ils n'ont jamais fait la promotion d'Asselineau, qui était pour le Frexit, par exemple, ça aurait été plus logique. Ils sont tous européistes. Tous pour l'euro, sauf qu'on ne contrôlera jamais nos frontières en étant sous l'Union européenne. Donc déjà, c'est la principale chose, c'est de sortir de l'Union européenne. Attendez, distinguons. L'européisme est une sottise, l'Europe n'existe pas. Bien sûr. Et la construction, il n'y a pas de nation européenne, d'ethnie européenne, de peuple européen. Et l'européisme, c'est la dissolution de la nation, donc c'est antinational. Ils ont une doctrine qui est celle du Grèce, qui est antinationale. La civilisation européenne du Grèce n'existe pas. Donc, ce qui est dommage, c'est que c'est un mouvement très, très allant, mais malheureusement, gangrené par cette idéologie cosmopolite, en réalité, pseudo-identitaire, anti-identitaire. Alors, les autres, bon, Julien Rochdy est un candole, vous savez ce que c'est qu'un candole, hein, c'est un homme dit de droite qui se soumet au cosmopolitiquement correct, qui dénonce l'antisémitisme. Alors, déjà, quand je vois un gars. Comme lui qui dénonce l'antisémitisme, je me dis, attention, c'est un candole, hein. C'est un complice. Voilà. Oui, comme vous avez écrit. Il a écrit Goy. Goy ou gay? Non, Goy. Oh. Quand même, Henri. Vous avez une mauvaise blague pour embêter Kentra, là. Non, vous avez raison. C'est bien l'humour. Je signale qu'il y a mieux que Goy. Alors, Goy, je rappelle aux auditeurs qui ne savent pas que c'est un terme hébreu ou araméen qui veut dire non-juif. Ouais. Ouais. Et pour les juifs, c'est un terme de mépris. Le Talmud, exactement. Je l'ai dit, je crois, la dernière fois, la dernière fois que vous m'avez invité, le Talmud soutient que seuls les juifs sont des hommes et que les non-juifs, les goyim, sont des créatures, oui. De goy, sont assimilables à des bêtes. Je rappelle quand même, je le répète parce qu'il faut quand même le savoir, et on peut le vérifier en consultant la notice en anglais sur Wikipédia du grand rabbin d'Israël, on va dire Yosef. Y-O-S-E-F. Oui, Yosef, ce n'est pas n'importe qui, c'était le grand rabbin séfarade d'Israël, qui a été grand rabbin pendant deux mandats consécutifs, il n'avait pas le droit d'en avoir plus. Et il était tellement populaire en Israël que lorsqu'il est mort, je crois que c'était en 2012, 2013, les Ken 3 qui regarde Wikipédia le découvrira tout de suite, son cercueil a été suivi par 10% de la population israélienne. Or, il a dit, vous trouverez ça sur le disque Wikipédia, fait 40 pages, à moins qu'on l'ait expurgé depuis que je l'ai lu, il y a deux ans, en anglais, et alors on explique que c'était vraiment le plus grand savant des études talmudiques et kabbalistiques de son temps, une autorité incontestée, et il a dit ceci, je cite,
Les non-juifs, les goyim, ne sont nés que pour servir les juifs. Vous vous rendez compte? Les non-juifs, nous sommes nés que pour servir les juifs. Et ils nous ont comparé à des ânes. Donc, à ce degré, c'est même plus du racisme, c'est de l'hyper-racisme, c'est du cosmo-racisme, enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Quoi. C'est hallucinant. Bon. Voilà, je crois qu'il faut avoir ça en tête quand on parle du judaïsme. Alors, oui. D'ailleurs, dans les textes eschatologiques islamiques, il est question d'un pacte entre chrétiens et musulmans, entre Rome et l'islam, contre le judaïsme à la fin des temps. C'est pas pour rien, s'ils nous considèrent tous deux comme des ânes, qu'il y aurait un pacte. Alors, je rappelle, parce que je l'ai dit, que d'après moi, il y a quatre grandes civilisations dans l'humanité, qui sont par ordre d'apparition dans le temps, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et l'islamisme. Le judaïsme actuel, qui est celui des pharisiens dont parle l'évangile, n'est pas du tout une grande religion. C'est une religion étriquée, raciste dans le pire sens du terme, et tout à fait nauséabonde. Hein. Voilà, donc le judaïsme est vraiment une religion, à mon avis, peu fréquentable, hein, que les gens connaissent mal. Je ne parle pas des juifs, je parle du judaïsme, de la religion. Hein. De cette religion. Bon, donc. Ça dépend sous quel angle, monsieur de Lesquin, parce qu'on a reçu. Sous tous les angles. On a reçu un rabbin, peut-être que vous connaissez, Gabriel Agaï, qui est un rabbin orthodoxe, c'est ça, Malik ? Non, il est. Attends. Alors, lui, je ne sais plus quelle est son. Je ne sais plus quelle est son école. Mais voilà, mais en tout cas, lui. Il est séparade, pour être exact. Voilà, c'est ça. Et il est très, 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 très proche, justement, parce qu'il va beaucoup à Jérusalem. Il est très proche des communautés chrétiennes là-bas. Il fait énormément de choses avec elles, de la communauté musulmane, etc. Il nous a appris énormément de choses pendant l'émission, c'est-à-dire même au niveau de l'accent. Vous savez, par exemple, quand on dit, enfin, les juifs disent shalom aleichem, c'est-à-dire que la paix soit sur vous, alors qu'en réalité, c'est shalom aleichem. Et ça se rapproche plus, on va dire, de l'arabe que de l'hébreu qu'on peut entendre. En tout cas, bref, il nous a appris énormément de choses. Et j'étais agréablement surpris. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Vous voulez terminer? Attendez, deux choses. Premièrement, ne croyez pas forcément à la sincérité de ce rabbin. Ce rabbin, comme Zemmour, peut mentir. Hein. Il vient chez vous, il ne va pas vous dire des choses agréables. Il ne va même pas. Moi, je suis prêt à vous dire des choses agréables si je pense que c'est la vérité et que nous pouvons partager cette vérité. Bon. Ah non, mais attends, alors attention, oui, les choses désagréables qui sont dans le judaïsme, on en a parlé avec lui. Et il était d'accord avec nous. Mais il n'y a rien d'agréable dans le judaïsme. Rien. Attention, je ne défends pas, je parle juste du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament enseigne que les Juifs sont coupables du déicide. Vous savez que nous, les chrétiens, nous ne considérons pas que Jésus est un prophète, nous considérons qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu lui-même. Bon. Une des trois personnes de la Sainte Trinité. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il s'est incarné dans la personne de Jésus de Nazareth et il a été mis à mort par les Juifs. C'est ce que dit clairement le Nouveau Testament. Le déicide, la mise à mort d'un homme qui était Dieu, et de la responsabilité des Juifs. C'est dit expressément dans le Nouveau Testament, par exemple dans Saint Paul, premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14 à 16, il dit clairement, les Juifs ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, ils ne plaisent point à Dieu, ils sont les ennemis du genre humain, ils nous empêchent de prêcher la parole aux gentils, et la colère de Dieu sera sur eux jusqu'à la fin des temps. C'est pas moi qui le dis, fin de citation, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Saint Paul. Donc, vous pouvez vérifier dans une bonne traduction de la Bible. Hein. Très bien. On va avancer. C'était juste une petite précision. Après, voilà, il y a à boire et à manger un peu dans ce sujet-là, comme dans tous les autres sujets d'ailleurs. Kentra, tu voulais, t'avais terminé ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, justement, la droite identitaire, etc. Non, bah moi, tout ce que je dis, ouais, voilà, c'est, je partage comme de Lesquin, c'est que ces identitaires, Julien. Monsieur de Lesquin, excusez-moi. Je vous fais une remarque terminologique. Si vous au vocatif, il ne faut pas dire de Lesquin, mais Lesquin, oui. Vous pouvez m'appeler Lesquin. Ah, d'accord. Lesquin. Monsieur bonjour, Lesquin. Bonjour Lesquin, mais pas bonjour de Lesquin. Bonjour Lesquin, vocatif. D'accord. Vocatif, c'est un cœur en latin. Hein. Bonjour Lesquin. Moi, je dis bonjour Kentra, vous me répondez bonjour Lesquin. Bonjour Lesquin. Sinon, je n'ai parlé que d'identitaire, mais alors attendez, Roche dit, j'ai dit que c'était donc. Pando, alors, qui était dans ce petit sémitisme.
Les autres sont des pitres. Papacito aussi. C'est un, bon, oui, c'est un cordeau aussi, un pitre. Donc tout ça n'a aucun intérêt. Donc ces gens-là ont un public parce qu'ils sont comiques, parce qu'ils font rigoler, etc. Bah oui, le pire, c'est qu'en fait, ils profitent de tous les nationalistes qui, eux, ont un espoir de revoir une France blanche d'antan. Sauf que ces identitaires-là, justement, profitent de ces nationalistes pour, en fait, faire du fric. Papacito sort des livres, Thaïs Escuffon sort des formations, Julien Rochdy sort aussi des bouquins, mais aucun ne sont sur le terrain du réel. C'est ça le problème. Ils se sont tous barrés, Papacito en Espagne, Julien Rochdy en Italie et Baptiste Marché au Texas. Tous se sont barrés, tous font du fric et aucun ne sont là pour la France, pour la patrie, sur le terrain du réel. C'est ça que je leur reproche. C'est que les Français, malheureusement, sont des gens naïfs. Hein. Regardez le nombre de gogoy. Ah oui, j'ai oublié de dire, vous avez dit gogoy. Je vous suggère d'employer une expression qui est très drôle, qui n'a pas été créée par moi, mais par un certain courtoisique sur Internet. C'est gogoy. Gogoy est une contraction de gogo et de goy. Donc le goy-gogo, c'est le gogoy, et c'est celui qui croit que Zemmour dit la vérité. Ah d'accord, je ne connaissais pas. Gogoy, G-O-G-O-Y. Gogoy. Un gogoy de gogoy. On n'est pas en hébreu, gogoy. Ma parole, je la note tout de suite. Ouais. Un gogoy. G-O-G-O-Y. Je vais rajouter. Non, il faut diffuser cette expression parce qu'elle est excellente et elle permet d'ouvrir les yeux sur le mensonge. Sur le mensonge que pratiquent les gens comme Zemmour. Ah, c'est incroyable. Super menteur. C'est clair. Kentra, merci. Merci. On va avancer. Justement, Maggie, qu'est-ce que toi, tu veux revenir sur un point par rapport à ça, le clivage droite-gauche, le cirque droite-gauche auquel on est en train d'assister aujourd'hui? Bah, encore une fois, c'est ce qu'il y a de commun entre les deux, on va dire, les deux bancs opposés de l'hémicycle, ou les deux arcs de cercle de celui-ci, est justement cette idéologie qui les traverse, hein, le transnationalisme. Encore une fois, qu'il soit de droite, donc néoconservateur, ou qu'il soit de gauche, donc néolibéral, c'est le même but, in fine. Et donc, volontairement, j'emploie l'anglicisme globalisme pour ne pas justement tomber dans une analyse assez simpliste, parce que beaucoup vont parler de mondialisme aujourd'hui, sans évoquer, encore une fois, sans se concentrer sur l'inspiration anglo-saxonne justement qui les régit, et c'est bien pour ça que j'appuie sur ça. Donc dans ce monde là où justement on est où il y a un unipolarisme qui est contesté aujourd'hui et qui est donc partagé cette fois-ci, on voit bien avec les changements en Afrique, on voit bien avec les changements en Asie d'alliance comme au niveau de l'Arabie Saoudite, qui ont mis une distance avec les États-Unis et avec même la Grande-Bretagne. On les voit aujourd'hui causer du, entre guillemets, mettre des bâtons dans les roues. Bon, l'administration Biden, enfin, Biden, c'est quelqu'un qui est somme toute fantoche et mou, un petit peu. C'est le Hollande américain avec. Il est pire que Hollande. Ah oui, 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 c'est ça, bien sûr. Et avec 40 ans de plus, donc avec un manque d'efficacité flagrant. Mais voilà, et dans ce village-monde, il y a des individus, des individualités, comme vous l'avez dit. Il y a des Juifs qui sont donc des individus qui ne sont pas comparables à ce que l'héritage du judaïsme, une partie de l'héritage du judaïsme, donc qui se trouve dans les Midrashim, les échanges entre rabbins, etc., ça dépend desquels. Chez Rashi, il y a des choses très intéressantes. Celui qu'on a reçu en l'occurrence, Gabriel Agaï, non, c'est quelqu'un qui est sincère, puisque ce n'est pas que chez nous qu'il s'est exprimé comme tel. Mais non, comment savez-vous qu'il est sincère? Comment pouvez-vous savoir qu'il est sincère? En observant sur le long terme ses actions. En observant sur le long terme ses actions. On peut mentir sur le long terme. Oui, c'est possible. Mais... Alors là, attendez, quand vous avez un espion qui. Un espion quelque part, il peut rester espion de l'Union soviétique aux États-Unis ou des États-Unis à l'Union soviétique pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, il va mentir. Le fait qu'il ait constamment un discours qui pendant 30 ans ne prouve absolument pas qu'il soit sincère. Oui, ce que l'on peut donc penser, c'est qu'il l'est. Après, est-ce qu'il l'est réellement? Ça, c'est Dieu qui le sait, bien sûr. Mais voilà,
il y a toujours dans malgré. Dieu et l'esquin qui le savent, moi je vous dis qu'il n'est pas sincère. J'ai pas entendu. C'est Dieu et l'esquin qui le savent. L'esquin, c'est pas pour Dieu, rassurez-vous. L'esquin sait qu'il n'est pas sincère. Non, soyons humbles et restons. Un juif religieux considère que les non-juifs sont des bêtes. Voilà la vérité. Ça, alors attention. Donc, si on vous tient un discours gentil quand on est un juif religieux, oui. On n'est pas sincère. On ne vous dit pas, on ne vous dit pas, je vous considère comme un âne. Ça dépend justement, encore une fois, de l'école et de l'obédience à laquelle on appartient et de la lecture qu'on a des différents textes. Si on prend le Zohar, dans le Zohar, on peut trouver de belles choses, comme on peut trouver des choses qui sont, voilà. Mais Moi, je me demande si vous êtes vraiment un musulman orthodoxe, parce que vous trouvez que le Zohar, c'est bien. Franchement, je crains le pire, hein, monsieur Malik. Si vous prenez l'exemple de Sourate At-Tawbah, la Sourate qui est descendue pour mettre la fin à la paix, à la pax durable avec les idolâtres et avec leurs alliés juifs, justement. Eh bien, Dieu dit clairement qu'il n'est pas question d'être injuste envers ceux, et dans d'autres chapitres également, qu'il n'est pas question d'être injuste envers ceux qui ne nous ont pas combattus, qui ne nous ont pas expulsés de nos demeures. Et donc, il faut être, et il faut les laisser même écouter la parole de Dieu afin qu'ils se rapprochent de celle-ci. Donc, un musulman orthodoxe applique, attendez, je vous cite les versets là, un musulman orthodoxe justement va appliquer ces versets-là, et quand on voit la manière dont le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, alayhi salatu wassalam, le prophète de l'islam, Mohammed, a agi vis-à-vis des communautés, des minorités juives, ceux qui étaient paisibles et qui payaient leur impôt, donc la capitation, la jizya, et qui ne créaient pas de remous, étaient considérés voilà, dans leur droit et avaient leur considération en tant qu'individus. Et ceux qui, bien sûr, trahissaient leurs engagements, eux, il n'y avait pas de pitié à leur égard. C'est comme les Benu Qurayza, qui sont cette tribu qui a trahi son engagement envers le prophète, les bénédictions soient sur lui, qui s'est allié avec les païens contre le messager de Dieu, et qui s'est retrouvé, toute la tribu est passée au fil de l'épée, mais au fil de l'épée, car ils ont appliqué sur eux-mêmes la loi mosaïque qui consistait à, si on trahit, on mérite la mort, surtout si on se fait prendre la main dans le sac. Et donc, c'est justement l'orthodoxie islamique qui appelle à cette justesse et à cette retenue. Maintenant, disons-le clairement, le Dajjal, l'antéchrist, sera un juif, fils de juif, et sera même considéré comme le roi des juifs. Donc, l'antéchrist, voilà. Mais là, vraiment, je mettais un point, une petite parenthèse sur Gabriel Agaï. Malik, justement, je te coupe 30 secondes pour... Il faut savoir une chose, c'est que ce rabbin qu'on a reçu, Gabriel Agaï, ça tombe bien. Ah ouais, a été la cible justement de personnes malveillantes de la communauté juive. Ah si, il faut le savoir. Hein. Faut le savoir. Regardez, c'est un ami à nous, un frère qui est Yassine, miséricorde parlementaire, à qui je passe un grand salam, qui me dit bonsoir Monsieur de Lesquin, Gabriel Agaï est sincère, il m'a soutenu face aux lobbysionistes à l'époque, il y a presque 10 ans. Donc ça ne prouve strictement rien. Bon, alors je voudrais revenir sur le fond. Premièrement, globalisme ou mondialisme, je répète que ce n'est qu'une partie du cosmopolitisme. Exactement. Qui implique aussi des sujets internes à la nation, tels que le mariage homosexuel, la pornographie, la théorie des genres, ainsi de suite. Bon. Vous dites que ça vient des États-Unis. Ce n'est pas entièrement exact. Vous savez que la théorie des genres, gender theory en anglais, c'est une des applications de ce qu'on appelle en anglais la French Theory, la théorie française, et que si vous lisez Judith Butler, comme je l'ai fait lorsque nous lui avons attribué le prix Lysenko de la désinformation scientifique il y a 10 ans, Judith Butler étant la papesse de la théorie des genres, elle est à la fois juive et lesbienne, eh bien, vous apercevez qu'elle ne cite que des auteurs français. Et le premier auteur français qu'elle cite, c'est Simone de Beauvoir. Mais derrière Simone de Beauvoir, qui était l'égérie de Jean-Paul Sartre, il y a Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a dit... a conçu une philosophie qui s'appelle l'existentialisme et qu'il résume par cette formule: l'existence précède l'essence. Et il a donné au vieux cosmopolitisme, qui remontait à Diogène le Cynique 350 ans avant Jésus-Christ, l'ontologie ou la métaphysique dont il avait besoin. L'existence précède l'essence, c'est-à-dire vous n'êtes rien a priori, vous vous créez vous-même en permanence, vous pouvez créer votre propre identité, ce qui est une absurdité scientifique, philosophique, religieuse. Bien. Après lui, il y a eu donc Simone de Beauvoir qui a dit « on ne naît pas
femme, on le devient, né de verbe naître, anaï et français correcté. On ne naît pas femme, on le devient. Et un certain nombre d'auteurs français qui ont créé les bases de la future théorie du genre. Donc, d'une certaine manière, la théorie du genre nous revient en boomerang, hélas, en France, car c'est de France que les idées sont sorties. Hélas. Eh oui, c'est un fait. Bigal, tu veux revenir sur un point ? Au revoir. Donc, alors, à la base, le sujet, c'était le clivage gauche-droite, c'est ça ? Exactement. Exactement. Alors, attends, il y a un écho, Bigal. C'est bizarre qu'il y ait un écho. Vous m'entendez ou pas ? En fait, quand moi je te parle, j'ai un écho. Moi je te parle, j'ai un écho juste après. Ah, ouais, parce qu'en fait, je suis sur téléphone, parce que là, mon ordi, il veut pas. Donc, je suis repassé sur téléphone. Attends, je vais le couper. Voilà, Baraknofik, parce que c'est insupportable. Désolé, hein, mais c'est insupportable. Il faut que tu trouves le moyen de régler ça. Alors, écoute, Bigal, je vais te laisser. Des écouteurs. Voilà, ou un truc comme ça. Je vais couper mon micro, Bigal, et justement, tu vas donner ton avis. Après, si tu peux corriger un peu tout ça, frérot, comme ça, on termine ça tranquille. Bigal, à toi. Ouais, juste, je vais chercher des écouteurs. Voilà, deux secondes. Ce soir, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. D'habitude, D'ailleurs, il en est très proche. Amine. Est-ce que vous m'entendez mieux? Il n'y a pas d'écho là? Ouais, là c'est bon. Okay, ah non, il y a encore un écho. En fait, il y a l'écho quand l'un d'entre nous parle. Ah, pour toi, j'ai les écouteurs, frère. Donc là, le problème, il vient pas de moi. Si. Parce que là, je viens de couper ton micro et là, il n'y a plus de retour. Bon, continuons parce que. Bilal, il faut que tu trouves un moyen, frère. Ouais, essaye de trouver une solution, Bilal. On va avancer. Ah, frère, j'ai les. Tu vois, je viens de couper, ça fonctionne. Attends. Écho. Bon, bref, il reviendra le frère parce que c'est pas possible. Continue. Ok, il va régler ça. Très bien, on va avancer sur la prochaine, sur l'autre thématique. La dernière fois, monsieur Delescam, parce que moi, j'écoute Radio Athéna. C'est bien, je félicite. Ah non, mais moi, j'écoute, hein, je vous dis la vérité, c'est très intéressant. On devait y aller, Zied. Hein. Ah, j'attends que monsieur Delescam nous invite. Hein. Moi, j'ai. Ah, ça, c'est. C'est pas. On va pas arriver comme des cambrioleurs. Le comité de sélection est difficile. Hein. La sélection est difficile. Non, mais si vous nous invitez, avec grand plaisir. Ah bon, c'était une invitation de votre part, Henri. Rappelons-le. Pardon ? C'était une invitation de votre part, rappelons-le, à la deuxième émission où vous aviez invité. Non, mais vous deviez venir avec votre matériel dans notre studio, dans l'appartement du Carrefour de l'Horloge. Vous n'avez pas voulu parce que c'était compliqué pour vous. Ah bon, Zied ? Oh là là, je ne savais pas. Ah non, enfin. C'est soirée révélation ce soir. Ah non, je me rappelle. Non, en fait, moi, je pensais que vous. Bah, de toute façon, on en rediscutera. Moi, je pensais que vous nous aviez invité à une émission. C'est ça. Sur Radio Athéna. Moi, je pensais que c'était. Non, ça. Je pensais que c'était une émission radio principe que vous faisiez sur place avec votre matériel. Ah, d'accord, il y a eu qui propose. Sachant que nous avons une excellente liaison Internet par fibre optique par Orange qui est à 1200 mégabits par seconde. Donc vraiment, ça marche bien. Écoutez, ça marche plus que chez Milal. Hein. Chez moi, ça écoutez, chez Milal. On se fera une quatrième émission. Chez vous, je ramènerai mon matériel. Voilà, pas de problème. Voilà, c'est ce que nous proposons. Super, alors nickel. Bon, voilà, c'est signé. On fera une émission chez Radio Athéna. Comme je vous disais, donc moi, j'écoute vos émissions parce que j'aime beaucoup aussi, je vous en avais parlé dans le cadre de cette émission par rapport à Adrien Bozzi, que j'ai certains points d'accord avec lui, d'autres désaccords, mais les émissions sont toujours intéressantes. Et je vous ai entendu dans une émission où vous avez parlé qu'à partir du moment où, par exemple, la France retrouverait sa chrétienté, il ne devait y avoir qu'une seule religion et pas d'autre. Je n'ai jamais dit ça. Je suis pour la liberté religieuse. Vous avez expliqué que. Si, moi, je m'en souviens. Je n'ai jamais dit ça. Non, vous avez mal compris. Alors, je n'ai jamais dit ça. Alors, attendez, je vous redonne même le contexte. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Je crois que c'était il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Et M. Abouzi n'était pas d'accord avec vous, justement. Je m'en souviens. Dit,
qu'il fallait supprimer la liberté religieuse. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que vous avez dit. Vous avez dit qu'il ne devait y avoir qu'une seule religion qui prime sur les territoires français, ce serait la religion chrétienne. Ah, qui prime, oui. Voilà. Dans l'idéal, la France appartient à l'Occident, qui est chrétien. Donc, moi, je suis partisan de changer la Constitution sur ce point et de dire que la France est un pays chrétien, un pays qui reconnaît la religion chrétienne, oui. Mmh. Dans ces trois composantes traditionnelles en France, c'est-à-dire le catholicisme d'abord, bien sûr, le protestantisme calviniste et le protestantisme luthérien. Les autres religions n'ont pas à être reconnues puisqu'elles ne sont pas tradition française, tradition occidentale. Voilà, c'était ça que j'avais dit. Elles ne bénéficient pas de l'entière liberté religieuse. Ah non, mais clairement. Mais par exemple, si vous voulez, dans mon idée, la reconnaissance signifie que le mariage catholique suffira, on n'aura pas besoin, quand on se mariera devant le prêtre à l'église, de faire un mariage civil. Vous voyez, sur ça, on est d'accord. Sur ça, moi, En revanche, dans mon projet, l'État ne reconnaîtra pas le mariage musulman. C'est-à-dire. Le mariage juif, d'ailleurs. Uniquement les mariages chrétiens, selon l'une des trois confessions, catholicisme, protestantisme calviniste et protestantisme luthérien. Alors, on ne va pas s'entendre, M. Delesca. Moi, je vous l'ai dit, je suis français, j'aime mon pays. Et si mes enfants, bon, parce que moi c'est déjà mon cas, mais si mes enfants se marient, ce sera sur le rythme musulman. Du coup, comment est-ce qu'on fait alors? Vous aurez aussi mariage civil. C'est qu'actuellement, il y a un doublon mariage civil, mariage religieux. Donc, ça ne changera rien pour vous. Simplement, ce que je dis, c'est qu'on devrait pouvoir, pour les trois confessions dont j'ai parlé, trois confessions chrétiennes, et elles seules, se dispenser du mariage civil. C'est tout. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, ce que vous dites, pour résumer, c'est-à-dire que les chrétiens seront dispensés du mariage civil et ce sera une obligation pour les autres. Oui. D'accord, mais on a le droit, par exemple, de ramener un imam qui va... Enfin, un imam, alors, vous avez compris. Évidemment, c'est... Liberté religieuse, ça veut dire qu'on peut pratiquer l'islam, qu'on peut pratiquer le judaïsme, qu'on peut pratiquer le bouddhisme. Très bien. On peut pratiquer l'hindouisme. Évidemment. Au moins, c'est clair. Très bien, pas de souci. Liberté religieuse, c'est un principe. Alors, je vous précise quand même, pour que vous ne fassiez pas d'illusions, c'est que pour moi, c'est le principe de la liberté religieuse, c'est une nécessité politique. Mmh. Au titre du moindre mal. Bien sûr. Ce n'est pas un droit naturel. Dans une société catholique idéale, les hérétiques n'ont pas le droit d'exister. Parce qu'un hérétique, c'est quelqu'un qui emmène. Qui risque d'emmener l'homme vers la damnation. Mmh. Et donc, il ne faut pas laisser l'hérésie se propager. Et pour moi, le calvinisme, le luthéranisme ou l'islam sont des hérésies, voyez, par rapport au catholicisme, qui est la seule vraie religion. Oui, ça se comprend, ça. Là, on est vraiment dans l'interreligieux. Mais comment dire, y a... Alors, il y a une question, je vais vous taquiner avec, M. Delesquin. qui vit dans le chat. Et la polygamie, monsieur de Gasquin, qu'en pensez-vous? Ah ben, la polygamie est strictement interdite en France, hein, je vous rappelle, c'est le droit actuel, je me propose de maintenir la loi actuelle sur ce point. Mais enfin, ça n'empêche pas le concubinage. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir quatre femmes de fait, mais une seule sera reconnue comme son épouse du point de vue de la loi. Du point de vue de la loi, c'est-à-dire que une seule du point de vue de la loi et les autres. Un homme peut vivre avec 10 femmes. Je sais bien qu'en islam, c'est limité à 4. Et encore, je ne sais pas parce qu'elle est concubine. C'est 4, oui, c'est 4. Personne ne peut empêcher. Ça, c'est la liberté sexuelle. Sauf si on prend l'avis de Ibn Hazm. Ibn Hazm, il autorise d'aller jusqu'à 10 femmes. Bon. Voilà. Autrement dit, les hommes et les femmes sont libres de faire ce qu'ils veulent. Entre adultes consentants, on fait ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire que sur le plan moral, on est forcément d'accord. Et ça ne veut pas dire que la loi doit reconnaître cela. Donc là, si un homme a 10 femmes chez lui, une seule peut être reconnue comme son épouse légitime. Les autres seront simplement des personnes cohabitant avec lui, mais l'État ne s'en occupera pas, ne reconnaîtra rien, aucun rapport. C'est la différence avec la charia qui reconnaît 4 femmes. Et bien, comme nous en avions déjà parlé, pour l'homme capable financièrement, il a droit à un nombre illimité de concubines, de dextres, qui sont officielles, mais qui ne sont pas ses épouses, au-delà de ses 4 femmes. Et comme il peut n'en prendre qu'une en tant qu'épouse, et avoir des dextres, comme chaque verset qui, justement, évoque les rapports intimes, dans le Coran, lorsqu'Allah dit « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ يُحَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. » Donc en français, et ceux qui préservent leur partie intime sauf avec leurs épouses ou ceux
ou leur dextre, ce que leur main droite littéralement détiennent, donc les femmes qu'ils entretiennent, l'équivalent de la maîtresse, mais sauf qu'en islam, c'est pas, le rapport est différent, c'est que c'est Mulkul Yamin, c'est elle qui est sous la maîtrise de l'homme, qui est considérée comme le maître. Et alors ainsi, aucun grief ne leur est fait, mais ceux qui cherchent au-delà de cela, ceux-là sont les transgresseurs. Donc il est question de... En fait, c'est la même chose, c'est quasiment la même chose. Maintenant, justement, comme l'a dit Zied, en France aujourd'hui, il n'y a pas de mariage religieux reconnu. Donc ça revient au même. Ça revient au même, tout simplement. Non, mais c'est... Alors, pour ça, c'est que selon la morale chrétienne, en tout cas la morale catholique, on n'a qu'une femme et on ne doit avoir de rapport sexuel qu'avec elle. Hein. Oui, exactement. Pas de maîtresse, pas de concubine. Hein. Exactement. Alors, avant de donner la parole à Kentra, justement, sur ce sujet-là, là, monsieur Delesca, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, avec la question qu'on vient d'aborder, si je l'avais écouté à l'ensemble des musulmans de France et que vous vous présentez en 2027, tout le monde va voter pour vous, je vous le dis tout de suite. Alors, il y a un autre truc, justement, si le Parti National Libéral, dont vous êtes le président, se présente en 2027 et vous êtes élu président, quel sera le sort des pédocriminels? Alors écoutez, c'est très intéressant parce que c'est un des rares points où les mœurs se sont améliorées. Après les révolutions cosmopolites de 1968, les pédophiles, que vous appelez pédocriminels, ont eu le vent en poupe. Ils ont fait en libération des appels à libéraliser les rapports sexuels avec les enfants. C'était monstrueux. Et depuis, les choses se sont améliorées. La pédophilie est devenue un scandale absolu. Et Gabriel Matzneff, qui est un personnage ignoble, a été mis au banc de la société. Bon, il ne faut avoir aucune sympathie pour les pédophiles, ni pour ceux qui leur ressemblent. D'ailleurs, ça va vous amuser, parce que figurez-vous que Renaud Camus, qui est officiellement homosexuel, et qui a popularisé, qui n'a pas inventé, enfin qui a popularisé la formule dite du grand remplacement, m'a fait un procès en diffamation, qu'il a perdu. Pardon ? C'était quand ? Parce que à la suite de... Je donne le terme du procès, hein, rien de plus. À la suite de critiques faites par sur sa littérature nauséabonde, par un critique littéraire qui s'appelle Juan Asensio, j'avais repris ce qu'il avait dit, et partant du principe que puisque Renaud Camus défendait la pédophilie, puisqu'il disait que les enfants trouvaient un grand avantage à être victimes, à être l'objet de pratiques pédophiles avec des adultes, aussi ignoble que ça puisse paraître, c'est bien ce qu'il a écrit, de multiples reprises, j'en ai conclu, je l'ai dénoncé en me disant, en partant du principe que, puisque ceux qui défendent la pédophilie sont vraisemblablement la plaidoyer pro domo, c'est du latin, ça veut dire pour soi-même, c'est qu'il avait commis des actes pédophiles, ce que je ne pouvais pas démontrer, évidemment. Et j'ai gagné mon procès, le procès qui m'a fait en diffamation. Bon, voilà, donc, il y a beaucoup de gens encore qui osent soutenir les pédophiles ou la pédophilie, et je pense, c'est le cas d'ailleurs d'Alain Benoît, hein, je vous parlais tout à l'heure de l'ignoble prétendue nouvelle droite. Alain Benoît a écrit qu'il était moins grave pour un enfant d'être l'objet d'avoir des rapports sexuels avec un adulte que de regarder une série américaine à la télévision. Alors moi, je n'ai rien pour les séries américaines, mais là, je trouve ça absolument honteux. Alors, bon. Alors, j'ai d'ailleurs également dénoncé Alain Soral, que je surnomme Ali Soral, parce qu'il a pris la défense de Matzneff. Et de la pédophilie. Alors, j'ai sur mon site lesquin.fr, que je renvoie les auditeurs de Radio Principe. Alors, Utopie, si tu peux mettre le site de M. Delesquin, la chaîne YouTube, s'il te plaît. LESQUEN.fr. J'ai fait un article sur Alain Soral, à propos justement de la pédophilie, où je le traîne dans la boue pour ce qu'il a écrit, pour ce qu'il a dit, qui est absolument ignoble. Donc, il faut lutter contre la pédophilie. Donc, c'est un mot utopique, je n'ai pas l'intention de me présenter en 2027, mais si nous faisons une utopie, imaginons que je sois au pouvoir en 2027,
la pédophilie serait châtiée encore plus sévèrement qu'aujourd'hui. On est d'accord. Encore plus sévèrement aujourd'hui. Et je vais peut-être vous choquer, mais je me demande s'il ne faut pas introduire dans la législation pénale la castration des violeurs. Choqué ? Et je pense qu'il faudrait les châtrer. Non mais là, vous nous choquez pas. Vous êtes en train de. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez Vous êtes en train de préparer votre campagne pour 2027. Non, et nous, on va voter, nous. Moi, on je est vote. Ce que vous dites. Je ne vote pas. Châtrer les violeurs, c'est le moyen. Les violeurs confirmés, convaincus, pas ceux qui sont souvent accusés de viol par une bonne femme. Hein, parce que c'est souvent. C'est MeToo. Le gars qui a vraiment violé, avec violence d'ailleurs, c'est la définition du viol. Donc, des vrais viols. Et donc là, il faut le condamner. Il faudrait qu'il puisse être condamné à la castration. Je me rappelle, il a invité, je crois qu'il est mort aujourd'hui, le député Bernard Debray, qui avait parlé aussi. Il avait parlé de castration chimique dans mon émission. J'ai dit, mais pourquoi chimique? Pourquoi chimique? C'est vrai, on a deux pierres, deux briques, et le problème est réglé. Et là, on détruit l'arme du criminel qui ne peut plus récidiver. Exactement. Eh ben écoutez, vous venez de gagner encore des gens qui pourraient éventuellement voter pour vous 2027. Et moi, je ferai votre campagne, moi, sur Radio Principe TV. Je ferai la campagne. La pédophilie, moi, je ne supporte pas l'idée. Ah non, mais il faut. Moi, ça me soulève le cœur. Et tous les gens ignobles qui prennent la défense des pédophiles, je les accuse ou je les soupçonne fortement d'être eux-mêmes pédophiles, de faire un plaidoyer pro domo pour eux-mêmes. Et je trouve que. Mais et encore une fois, c'est un domaine où il y a eu un progrès moral. C'est rare, très rare, c'est pratiquement le seul. C'est le seul. Non, non, clairement. Clairement. Alors, si vous avez des questions dans le chat, allez-y, hein, parce qu'on va, on va lancer le dernier sujet juste après. Kentra, je te laisse revenir sur un point par rapport à ce qu'on vient de. Par rapport à cet échange. Ouais, sur la polygamie. Ouais, enfin, de ce qui a été dit, ouais. Même sur Kentra, si tu peux apporter une nuance quant à Soral, parce que Soral avait fait la différence entre l'éphébophilie et la pédophilie. Ouais. Si tu peux amener une nuance. Après, moi, Soral, je ne peux que le laisser répondre. Je crois qu'il a déjà répondu à ça sur son site, hein, donc je préfère pas prendre sa parole, quoi. Surtout si je dis des conneries. Mais non, je voulais revenir sur la polygamie parce que c'est pas une si mauvaise idée que ça, parce que j'ai lu récemment Schopenhauer, et dans son essai sur les femmes, il dit qu'effectivement la polygamie n'est pas si mauvaise parce qu'elle pourrait effectivement recruter, aider certaines femmes un peu en détresse à trouver au final un mari qui s'occupe d'elles, quoi. Et il me semble que c'est le cas. Il prend l'exemple sur les Mormons, qui est un mouvement aux États-Unis où ils autorisent la polygamie. Et c'est vrai qu'au final, c'est pas si bête. Moi, j'étais un peu contre au début, puis je me suis dit, au final, ça peut aider beaucoup de femmes. Notamment aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui se sexualisent de plus en plus jeunes en plus, veulent en fait, parce qu'elles ont un manque d'affection, veulent aussi évidemment de l'argent facile, tout ça. Donc, d'un côté, la polygamie, n'est-ce pas une solution pour toutes ces femmes-là qui pourraient trouver un mari qui pourrait s'occuper d'elles? Tout à fait. Écoutez, alors moi, je réponds sur le plan moral et religieux. Le christianisme interdit la polygamie. Et moi, je considère que le magistère de l'Église est infaillible en matière de foi et de morale et qu'il a interdit définitivement la polygamie. Donc, si on est chrétien, on n'est pas polygame. Voilà. Ouais. Non, il y a le mouvement mormon aux États-Unis. Et qui s'appelle l'Église. Oui, voilà, c'est l'exemple qu'il prend, évidemment, dans le mouvement mormon. Le mouvement mormon, qui est très dynamique, est un mouvement d'origine chrétienne, mais qui est complètement sorti du christianisme. Et il était effectivement partisan de la polygamie. Il autorisait la polygamie autrefois, mais pour se faire bien voir de la société américaine, les institutions officielles mormones ont abandonné la polygamie. Il est resté une petite minorité d'intégristes qui continuent à la revendiquer et à la pratiquer. Ouais. D'accord. Alors, merci Kentra pour cet échange. Bigal, avant de te donner la parole, est-ce que c'est bon pour ton micro? Oui, c'est bon, ça c'est réglé. Ouais, c'est bon, je vous entends bien, moi. Ok, super. Alors, on va prendre la question de Raissa et après, je te laisserai revenir sur un point et après, on prendra deux, trois questions et on va conclure, on ne va pas rester trop tard. Alors, il y a une question là, qu'on a mis en évidence de Raissa, à qui je passe un salam. Vous pourriez demander s'il est vrai que M. de Lesquin est un descendant du marquis de Sade, et si oui, que pense-t-il du personnage?
Écoutez, à ma connaissance, je ne suis pas descendant du marquis de Sade, c'est une légende, mais bon, je ne suis pas un grand généalogiste, et je pense évidemment le plus grand mal du marquis de Sade, qui était un monstre. Alors, il n'en a pas fait autant dans sa vie que dans ses écrits, mais ses écrits sont monstrueux, littéralement monstrueux. Donc, c'est un être ignoble, répugnant. Et honnêtement, dans un pays bien civilisé, on devrait interdire la mise en vente des œuvres du marquis de Sade. Alors, juste un truc, je ne sais pas qui c'est qui met les questions, on va juste prendre la... laissez les questions, Malik Ubiga, je ne sais pas qui non, c'est qui... Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a tellement de commentaires que quand tu cliques des fois, ça retire en fait. Alors attends, voilà, laissez les mauvais. J'ai vu une question sur l'herméneutique. Moi, je n'ai pas accès aux commentaires sur téléphone. Mais l'herméneutique intéresse monsieur de l'Esquin. Justement, je vais juste laisser Bigal justement revenir, parce que depuis tout à l'heure, et après on posera la question. Bigal, tu voulais revenir sur un point? Déjà, je tiens à m'excuser auprès de l'ensemble des personnes ici, que ce soit monsieur de l'Esquin, vous trois vrai, et les gens du chat. Parce que normalement, ça s'est toujours bien passé. Je ne sais pas pourquoi ce soir, l'aspect technique n'est pas au rendez-vous. Ce sont des choses qui arrivent, cher monsieur. Eh oui, mais bon, on essaye de toujours être dans l'excellence sur tous les points, donc ouais. Faut aussi, voilà. Faut savoir, monsieur de l'Esquin, que mes chroniqueurs, je leur mets une certaine forme de pression, donc c'est pour ça qu'il est pas bien là. Non, mais même c'est pour, voilà, bah oui, c'est parce que on. Où es-tu, Bilal? Où es-tu là? Je suis là. Là, je suis. Allez, vas-y. Je suis là. Je suis sur téléphone. Et du coup, là où le point sur lequel je voulais revenir, c'est non seulement au sujet de la pédocriminalité, mais un petit peu sur des sujets de manière générale, je voulais savoir si vous êtes prêt à faire un recul vis-à-vis de la peine de mort de manière générale, bien sûr, établie par un jugement équitable, etc., etc. Vraiment, la peine de mort, ça peut être... pas que au sujet de la pédocriminalité, mais d'une manière un peu plus large. Un retour ou un recul, Guilhem? Un recul sur l'interdiction de la peine de mort. Évidemment, attendez, vous enfoncez les portes ouvertes. Vous enfoncez les portes ouvertes. Là, on est en plein dans les manifestations du cosmopolitisme, qui ne se réduisent pas, cher monsieur Malik, au mondialisme ou au globalisme. Il est très significatif qu'on ait autorisé l'avortement volontaire, c'est-à-dire la mise à mort décidée par sa propre mère d'un enfant innocent qu'elle porte en son sein, par la loi de l'horrible Simone Veil du 17 janvier 1975, et que six ans plus tard, oui, en 1981, la loi de Robert Badinter supprimant la peine de mort a été votée. Donc on a interdit la peine de mort pour les criminels et on a autorisé la peine de mort pour des innocents enfants, pour des enfants innocents. Ça, c'est l'inversion des valeurs caractéristiques de l'idéologie cosmopolitique, du cosmopolitiquement correct. Donc évidemment, il faut rétablir la peine de mort parce qu'elle elle est juste, légitime, dissuasive. Voilà. Nous avons écrit sur le sujet, le CDH a écrit sur le sujet, notamment lorsque nous avons attribué le prix Lysenko de la désinformation scientifique à l'affreux Robert Badinter. Je ne sais pas pourquoi, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un point commun entre Simone Veil et Robert Badinter. Devinette. D'ailleurs, pour la famille, je vais poser une devinette qui est intéressante. En France, le divorce a été autorisé par la loi, en 1980, par la loi Alfred Naquet. La pilule, par la loi Lucienne Evert. L'avortement, par la loi Simone Veil. Quel est le point commun entre Alfred Naquet, Lucien Levert, pardon, et Simone Veil? Le cosmopolitisme. Pas exactement, mais un point précis, plus précis. Voilà. Vous chercherez. On le sait. Regardez la liste Wikipédia, c'est très personnel. Vous verrez qu'il y a un point commun. En consultant le t-shirt de Kentra, on a des éléments. Voilà. Exactement. Voilà. Ce n'était pas énorme, il ne répondait pas à cette définition. Voilà. Comme dirait l'autre, je pense que la question est vite répondue. Excellent. Ouais, comme dit l'autre, il faut évidemment rétablir la peine de mort pour les assassins. Voilà. Et attention, pas pour les violeurs. Pourquoi? Pour une raison très simple. Il faut avoir une logique. Il y a une logique dans la hiérarchie des peines. Si on institue la peine de mort pour les violeurs, ben les violeurs tueront leurs victimes qu'ils ont violées pour qu'elles se taisent, qu'elles ne puissent pas parler.
Donc, à cause de cette raison évidente, purement logique, il ne faut pas de peine de mort pour les violeurs, quelle que soit l'horreur du viol quand il est commis, évidemment, dans les pires conditions. Donc, pas de peine de mort pour les violeurs, mais pour les assassins, pour les meurtriers. Donc, si le violeur tue la femme qu'il a violée, il mérite la peine de mort. S'il n'a fait que la violer, il mérite une longue peine de prison et, en prime, si j'ose dire, la castration. Ou lui-même de se faire violer. Ouais, on peut dire ça, ouais. Enfin, non, ouais. Il pourrait y trouver du plaisir. Voilà, moi, je recommanderais de le mettre dans un endroit où lui aussi pourrait s'en prendre. Enfin, bon, là, on est un peu dans. Non, nous allons rester dans la courtoisie. Il faut rester dans la loi. Voilà, dans la loi. Et pas dans les peines arbitraires. La loi doit donner des peines précises et un quantum de peines prononcées par un tribunal. Il y a le fouet et la lapidation également, religieusement. Alors, lapidation, c'est pas. Lapidation était pratiquée par les juifs et les musulmans, mais elle n'est pas pratiquée par les chrétiens. En revanche, il y avait d'autres peines. La fosse au lion aussi. La fosse au lion. Ça, c'était les Romains, ça. C'était les Romains. La fosse au lion. Génial. La fosse au lion. On est pour la peine de mort pratiquée, comme selon la tradition française, pendez-les haut et court. Voilà. Juste pour répondre à un commentaire, on taira le nom. Que cette personne est assez excitée pour pas grand-chose. Le point commun entre Staline, Mao et Hitler, c'est le sécularisme aussi, au-delà des... Exactement. Et au revoir. De toute façon, le t-shirt... C'est le socialisme, le point commun. C'est pas le sécularisme, c'est le socialisme. Le socialisme, évidemment, intègre un sécularisme. C'est une religion séculière. Mais oui. C'est le socialisme. Hitler était socialiste. Son parti s'appelait, en bon français, Parti Socialiste National des Ouvriers Allemands. On va poser la question. Est-ce qu'on nous pose une question sur l'herméneutique de la continuité? Je vais intervenir. Alors, je vais vous poser la question, justement. J'attendais que vous terminiez l'échange avec Bilal. Question de miséricorde pour l'humanité. Monsieur Delesquin, que pensez-vous de l'herméneutique de continuité? Est-il possible, selon vous, de réconcilier Mirari, Vos de Grégoire? Alors, pour le chiffre romain, est-ce qu'on peut me dire, parce que je ne connais pas, 16 et Dignitatis Humanae de Vatican II. Alors, moi, je vais vous dire la vérité. Hein. J'ai absolument pas compris ce que c'était que cette question. Mais justement, je vais traduire. Herméneutique est un mot qui vient du grec. Yacine, merci pour la question. Alors là, tu m'as envoyé dans un bourbier. Herméneutique est un mot qui vient du grec, qui est à peu près synonyme. C'est un terme de théologie chrétienne, qui est à peu près synonyme de exégèse. Encore un mot qui vient du grec, qui était vraiment synonyme d'interprétation. Donc en bon français, disons l'interprétation. Autrement dit, la thèse qui a été mise en avant par le feu le pape Benoît XVI était qu'il fallait interpréter le Concile de Vatican II, deuxième Concile du Vatican qui s'est terminé en 1965, selon la continuité, en expliquant que tout ce qui était dit devait être mis en accord avec le passé et la tradition chrétienne. Le problème, c'est que c'est une imposture. Le Concile Vatican II a été une révolution dans l'Église, une révolution du relativisme. Alors que vous pouvez trouver sympathique, parce qu'ils ont institué non seulement l'écuménisme entre les catholiques et les protestants et les byzantins et les orthodoxes, mais aussi le dialogue interreligieux avec la rencontre d'Assise, où il y avait des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des juifs, des zoroastriens, des sachems venus d'Amérique. Des sorciers, etc. Bon, tout. Et donc, il n'est pas vrai qu'il y ait continuité entre Vatican I et les conciles, les 20 conciles écuméniques précédents. Vatican I a été une rupture, mais une rupture dans les opinions. Un bon catholique, considère que les conciles écuméniques sont infaillibles lorsqu'ils parlent de foi, lorsqu'ils prennent des décisions en matière de foi et de morale, qui ne le sont pas, à mon humble avis, dans les autres domaines. Bien qu'il faille évidemment considérer avec un grand respect ce qu'ils disent. Et ils ne le sont pas, même pour des décisions particulières, une décision de canonisation ou d'excommunication, qui est prononcée par un conseil ou par un pape, je ne crois pas qu'elle soit en soi infaillible. Elle est évidemment respectable, elle est très certainement, très probablement vraie, mais elle n'est pas infaillible. Bon. En revanche, quand ce ne sont pas des décisions, mais des opinions, il n'y a aucune infaillibilité. Et donc, comme le Concile Vatican I n'a fait que bavarder
et prendre, n'a pris aucune décision, mais a émis beaucoup d'opinions, que ces opinions sont presque toutes contraires à la tradition catholique, notamment sur la question de la liberté religieuse. Je suis pour des raisons politiques, hic et nunc, alors je parle encore latin, ici et maintenant, hic et nunc, mais sur le plan des principes, non, il n'y a pas de droit à la liberté religieuse dans les sociétés catholiques. Bon. C'est une imposture de vouloir prétendre qu'il y a une hermétique de la continuité, qu'on puisse interpréter le Concile Vatican I dans toutes ses opinions comme en conformité avec ce qui a été dit avant. La révolution cosmopolite de Vatican II, c'est une révolution relativiste, tout se vaut. Bon. Un musulman peut trouver le christianisme sympathique, j'espère que vous le trouvez, en tout cas certains, sous certaines formes sympathiques, mais il ne peut pas dire que l'islam, c'est la même chose, c'est le même niveau que le christianisme. Moi, je peux dire que moi, comme chrétien, je peux dire il y a dans l'islam, mais aussi dans l'hindouisme, mais aussi dans le bouddhisme, des parts de vérité qui permettent aux fidèles de ces trois religions de gagner le salut éternel, mais dans des conditions plus difficiles que s'il était chrétien. Voilà ce que je pense. Alors qu'en général, les musulmans orthodoxes considèrent que dès qu'on n'est pas musulman, on est condamné à l'enfer. Bon. Ce qui, à mon avis, est une erreur d'interprétation, mais bon. Je ne suis pas un ouléma. Donc, voilà. Donc, mais pour autant, ça n'est pas mettre toutes les religions sur le même plan, dire que tout se vaut, parce que si tout se vaut, il n'y a plus de vérité. Voilà pour l'herméneutique de la continuité de Benoît XVI. Il faut au contraire poser une herméneutique, une interprétation de la rupture. Vatican II a été une rupture. Alors, justement, celui qui a posé la question, Yacine, nous dit, en effet, vous avez raison, monsieur de Lesquingue, relativisme religieux est dangereux. Ça, c'est dans les commentaires. Alors, il y a une autre question. Sur ce point, c'est important, parce que le relativisme religieux, pour toute religion, c'est-à-dire tout vaut tout, c'est-à-dire qu'on fout si ma religion ne vaut pas mieux que la religion d'à côté, c'est que finalement, il n'y a pas de vérité du tout. Donc, au fond, toutes les religions ne servent à rien. Donc, c'est un poison. Sous prétexte de dire qu'on respecte l'islam, en réalité, avec le relativisme, on a introduit le poison de l'agnosticisme dans la religion. Alors, une autre question. Merci, monsieur de Lesquin, d'avoir répondu à celle d'avant. Est-ce que, d'après vous, les Français d'origine, les Français musulmans d'origine extra-européenne sont de véritables Français? Écoutez, c'est à eux de le dire, hein, mais. Je pense qu'un pieux musulman qui veut appliquer la charia n'est pas assimilé. Si vous considérez, parce que vous êtes musulman, que la loi de la nation française est illégitime dans son principe, et pas seulement parce que ce serait sur certains points contraire à la charia, par exemple sur la polygamie, eh bien non, vous n'êtes pas assimilé. Donc un vrai Français, c'est un Français assimilé. Donc pour être assimilé, il faut que vous ayez une interprétation, j'allais dire une herméneutique de l'islam, qui soit compatible avec l'identité nationale de la France. C'est pas à moi de répondre, c'est à vous. C'est à vous. Vous nous renvoyez la balle. Je ne suis pas sûr que vous ayez envie de développer cette herméneutique. Hein. Oui, c'est votre affaire. Non, mais justement, comme vous le dites, hein, Henri, un musulman qui est intègre ne peut pas se considérer comme étant pleinement français. Un musulman intègre se doit de in fine, quitter, et s'il ne quitte pas. D'ailleurs, les conditions qui permettent aux musulmans d'être en terre, en darul kufr, en terre de négation de mécréance, puisque comme tu vous l'avais dit juste avant, chaque religion considère être la vérité, c'est de pouvoir contredire la croyance, le dogme qui est établi sur le territoire et appeler les gens au message de l'islam. Donc, Concrètement, la question principielle, c'est celle de la loi. Si on est un pieux musulman en considérant que la charia, qu'on est l'idéal, et c'est la société théocratique, que la loi n'est authentique que si elle s'appuie sur la charia, la loi de Dieu qui est dans le Coran et dans la Sunna, ou si elle ne fait que le compléter, à ce moment-là, on peut difficilement accepter. Alors, je ne parle même pas des aberrations de la loi actuelle avec le mariage homosexuel, bien entendu, hein, oui. Il faut rejeter. Mais je parle de la loi française traditionnelle, bien notamment sûr. La monogamie. Eh bien, à ce moment-là, si on estime que la loi qui impose la monogamie est illégitime, on n'est pas assimilé. Exactement. On rejette ce qui fait partie de l'identité, de l'ADN de la nation française. Exactement. On est d'accord sur ça. Mais moi, ça ne m'empêche pas de me sentir français. Alors, ouais. juste toi, c'est plus culturel. Toi, c'est culturel que légal. Puisque voilà, la loi, c'est ça.
la loi, excuse-moi, la loi, le hukm. D'ailleurs, demain, j'ai mon émission sur ça, sur CSA, sur la politique religieuse, donc islamique. Tahakkum ila at-taghut, ça fait partie de ça. Le fait de chercher le jugement de celui qui adore autre que Dieu et qui est même lui-même adoré, in fine, pris en idole en dehors de Dieu, puisqu'il est législateur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les juifs et les chrétiens ont pris comme législateur ont pris leur rabbin et leur prêtre comme législateur en dehors de Dieu. Un compagnon a dit, mais non. Non, 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 attendez, je sais pas, j'ai pas fini, Henri. Là, je cite donc une maxime prophétique. Et le compagnon qui lui dit, mais non, ils n'ont pas pris leur prêtre et leur rabbin comme leur rabbin, leur prêtre comme seigneur en dehors de Dieu. Il leur dit le fait qu'il les ait pris comme législateur en dehors de Dieu. Et bien sûr, ici, c'est une parole générale concernant, quand on dit les juifs et les chrétiens, concernant l'histoire de ces deux communautés religieuses. Et de ce fait, justement, vous avez parlé d'herméneutique, le fait de légiférer par autre que la révélation, par d'autres moyens, eh bien, selon l'islam, c'est partir justement dans une idolâtrie par la loi, une idolâtrie par le hukm. Et de ce fait, bah, un musulman qui est intègre ne peut pas se définir selon cette idée, selon ce paradigme. Donc effectivement, la réponse à la question... Non, mais aucun rapport. Moi, je voudrais protester. Allez-y, monsieur Delesca, et après il y a Kentra. Non, mais attendez, il n'y a aucun rapport entre le judaïsme. Je voulais rebondir sur ce sujet-là aussi, Ziad. Le judaïsme, idéalement, le judaïsme est théocratique. Oui. Et la halakha est l'équivalent, la halakha ou halakha, c'est l'équivalent pour les juifs, c'est l'équivalent en théorie... De la charia pour l'islam, sachant que l'État juif, l'entité sioniste, comme disent certains, l'État d'Israël, n'applique pas, n'est pas théocratique complètement, parce qu'il ne respecte pas les principes du judaïsme, puisqu'il a été créé par des socialistes. Les sionistes étaient socialistes athées. Bon. Mais dans son principe, je parle de la religion elle-même, effectivement, c'est un idéal théocratique, c'est-à-dire ce sont les prêtres qui donnent... la loi qui est censée venir de Dieu. Rien à voir avec le christianisme. Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qui suis-je pour juger un disciple qui lui demandait de régler un procès avec un frère ?» Ou bien, le plus grand mot, c'est dans son dialogue avec Pilate, avant de mourir sur la croix, il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc, il y a dans l'Église catholique un courant qu'on appelle ultramontain ou théocratique qui voudrait, idéalement, que le pape et l'Église aient un pouvoir général s'appliquant non seulement à la religion, mais à la politique, et que les États fussent soumis à l'Église. Mais ça, c'est absolument... Moi, je rejette totalement cet ultramontanisme qui me paraît, à l'évidence, contraire à l'Évangile. Mais Jésus a prêché l'évangile, mais c'est basé sur la loi de la Torah. C'est pour ça que le rapport est... Mais attendez, oh là là. D'une part, il a dit effectivement qu'il fallait partir de là, mais ensuite, il a renié toutes les pratiques. Par exemple, on lui disait que ce n'était pas cachère, il répondait, mais les aliments qu'on met dans sa bouche sont toujours pires. Toujours pires. Et ensuite, tout le message chrétien est apporté par saint Paul qui a dénoncé la loi mosaïque. Et bien sûr, le christianisme, c'est bien sûr Saül, donc Paul de Tarse, qui le développe, mais lui-même à partir de la loi d'abord mosaïque, puis avec une évolution vers non, un Non, pas prêche, du tout, il rejette totalement la loi prêche. Mosaïque. Attendez, Je n'ai pas fini. Il part de se baser par définition, c'est partir de... base sur cela, puis il étend justement le message à plus loin que la simple maison d'Israël, puisque Jésus lui-même avait dit je ne m'adresse pas, mon message n'est pas adressé aux chiennes étrangères à la maison d'Israël. Paul, lui, est venu et en tombant de son cheval, justement, il non, s'est mais dit... Non, mais vous mélangez les sujets, attendez. Non, je termine. Justement, on va terminer cet échange tous les deux et après on prend les avis de Kentra et Bigal et on prend une dernière question. Je termine. Henri, laissez-moi juste finir sur ça. Je termine. Donc, lorsque vous dites qu'il n'y a aucun rapport, non, il y a un rapport.
Maintenant, je vous ai cité une maxime prophétique donc du prophète Mohammed, et bénédiction soit sur lui. Effectivement, qu'il y a des différences entre les deux, ne serait-ce que lorsque dans le Coran il est dit que tu ne trouveras pas pire inimitié que chez les gens qui sont des juifs, qui se sont judaïsés, qui sont juifs, ou les païens, et tu ne trouveras pas plus grande amicalité que chez ceux qui sont nazaréens, qui disent qu'ils sont nazaréens, car il y a chez eux des prêtres et des moines, et qui ne s'énorgueillissent pas, et lorsqu'ils entendent les versets de Dieu, ils pleurent. Donc, ici, c'est essentiellement ceux qui ont accepté le message de l'islam du temps du prophète, allez, salat au salam, mais il n'en demeure pas moins qu'au sein du christianisme, il y a une proximité avec l'islam, effectivement, qui diffère du judaïsme, avec lesquels il y a quand même une autre similarité, qui est celle du monothéisme sans intermédiaire. Mais, donc, clairement, voilà, on va pas s'étendre sur ça, mais il y a un rapport, et c'est pour ça que j'ai cité cela. Donc, un musulman, en tant que tel, qui va se dire, voilà, moi, la loi de la République, etc., il ne sera pas musulman, ou alors il sera un munafir. Donc, en tout cas, un hypocrite, voilà. Donc, continuons. Non, attendez, c'est un point important, bien que ce soit un peu en dehors du sujet initial sur l'assimilation. Dans toutes ces épîtres, l'apôtre saint Paul rejette la loi de Moïse. La loi de Moïse, elle a été récapitulée au XIIe siècle en arabe par le penseur juif le plus réputé, Moïse Maïmonide, et qui a trouvé 613 commandements en hébreu mitzvot. En hébreu, 613 commandements. Du genre ne pas manger du porc. Ne pas manger du porc, c'est un commandement commun avec l'islam. Bon, eh bien, tout cela a été rejeté d'abord par le Christ, mais de manière beaucoup plus systématique dans les épîtres de saint Paul. Je vous conseille, pour tous ceux qui s'intéressent au sujet, de lire, non pas toutes les épîtres, c'était peut-être un peu long, mais de lire simplement la deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Et vous verrez qu'il dit que l'ancienne alliance avec la loi mosaïque, c'est le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Il rejette complètement la loi mosaïque. Et les chrétiens ne la pratiquent pas. Alors, allons-y. Alors, juste un truc. Ouais, Kentra, est-ce que toi, tu voulais revenir sur un point justement par rapport à ça? Le commentaire, je le retire, les amis, parce qu'on va avancer, sinon on ne va jamais s'arrêter. Moi, j'aimerais bien aussi revenir sur ce point-là. Ouais, t'inquiète. Je crois qu'il y a un bug, Ziyad, parce que là, je l'ai retiré. Bref, c'est pas grave. Ça y est, je l'ai retiré, c'est bon, ouais. Ouais, Kentra, vas-y, on t'écoute. Ouais, je vais divaguer sur Israël. Pensez-vous que les chrétiens sont en sûreté en Israël? Non. Non. Les chrétiens palestiniens, c'est bon. Israël, l'État d'Israël, l'entité sioniste, comme disent certains, est un État ouvertement raciste. D'accord. Bon, il est. Je crois que personne, historiquement, ne peut contester que les juifs sionistes venus d'Europe se sont emparés de la Palestine en chassant les Palestiniens, ou une grande partie d'entre eux, tout au moins, parce qu'il en reste beaucoup, évidemment. Ils ont fait beaucoup d'enfants, mais en 1948, en chassant les Palestiniens par ce que les Palestiniens appellent en arabe la Nakba, ce qui veut dire, je crois, la catastrophe. Hein. Bon. Nakba, ouais. Les Juifs n'avaient strictement aucun droit à s'emparer de la Palestine, pour plusieurs raisons, bien sûr. La première et la plus importante, peut-être, a été montré par un juif qui s'appelle Shlomo Sand. Les juifs actuels ne descendent pas des juifs qui vivaient en Palestine à l'époque du Christ. Ils descendent, les juifs dits Ashkenaz, descendent des Turcs Khazars convertis à l'islam, convertis au judaïsme au 5e siècle, 6e siècle, 6e siècle. Et les juifs séfarades comme Zemmour, qui porte un nom tamazir, descendent, ça veut dire berbère, hein, langue berbère, descendent de berbères judaïsés à peu près à la même époque au 6e siècle. Les juifs qui étaient en Palestine se sont convertis au christianisme, notamment après la révolte de Bar Kochba en 130 et quelques, et ensuite à l'islam pour une grande partie. Donc les autochtones de la Palestine, ce sont les Palestiniens. Bon, ça me paraît clair et net. Alors cela dit, moi je ne propose pas de détruire l'État d'Israël parce que je suis partisan. Je pense que la paix repose sur le principe du fait accompli et de la prescription. Ça fait 80 ans, ça fait combien, ça fait 75 ans que l'État d'Israël existe. Je pense que pour la paix du monde,
Il faut respecter cet État d'Israël. Et je ne vois pas de raison particulière qu'il y ait un État palestinien. Je pense que l'État palestinien existe déjà. Ça s'appelle la Jordanie, où les Palestiniens sont majoritaires. Et donc, il faut rendre la Cisjordanie à la Transjordanie et faire un État capital Amman qui réunira tous les Palestiniens au sein de cette Jordanie palestinienne. Donc, redonnant l'indépendance à la bande de Gaza, qui est séparée du reste et qui devrait être indépendante. Mmh. Comme une principauté. Bon, voilà, voilà ce que je propose, et avec, bien sûr, la fin de la discrimination terrible appliquée contre les Arabes et contre les chrétiens, même dans l'arabe, en Israël. Et c'est un scandale permanent que, bien sûr, les médias taisent. Oui, bah oui, c'est ça le problème. Et puis justement, on parlait des identitaires tout à l'heure, mais le trois quarts de ces identitaires, donc Conversano et Papacito, disent que les chrétiens sont en sûreté en Israël et qu'il faut appliquer la politique israélienne en France. Et c'est simplement parce qu'ils détestent les Arabes, en fait. Et du coup, ils veulent repousser un peu de l'Arabe de France, quoi. C'est plus ou moins ça. Leur, c'est pour ça que je combats cette droite qu'on appelle la droite sioniste, en fait. N'appelez pas. Daniel Conversano, c'est un proxénète qui vend des femmes de l'Est. Exactement. De l'Est français. J'ai dénoncé. Je ne devrais même pas parler de ce personnage. Qui il est horrible. Ouais. Il est ignoble. L'immonde Conversano. L'immonde Conversano, qui raconte ses frasques sexuelles ignobles dans ses vidéos. Enfin, bon, ouais. Et il dit qu'il faut effectivement prendre exemple sur Israël et que les chrétiens sont en sûreté, dont Papacito le dit aussi, ce qui est du non, coup... Non, mais ce sont des gens d'Israël. Il faut bien voir que Soavelos, c'est-à-dire l'ensemble constitué par Daniel Conversano, Yann Mercado, Solveig Mineo et David Serra, quelques autres sans doute, c'est une coterie au service d'Israël et anti-chrétienne au service d'Israël. Exactement, c'est la droite sioniste. Ouais. Ce sont des agents d'Israël. On est d'accord sur ça. Donc il faut vraiment cesser d'en parler, parce que ou alors pour dire simplement que ce sont des gens d'Israël et des pitres. Oui. Exactement. On est d'accord sur ça. Merci. Merci à toi, Kentra. Merci à vous, monsieur De Guesca, pour cette question. Bigal, tu veux revenir sur un point, après on posera la dernière question que j'ai mis en évidence et on va conclure. Ok, pas de souci. Donc. Bah justement, en fait, je voulais revenir sur ce principe-là, c'est-à-dire de l'application, on va dire, de la volonté d'un retour traditionnel, on va dire, chrétien, même si on a bien compris, monsieur Delesquin, votre volonté de, entre guillemets, de séparation dans le sens traditionnel du fait religieux et du fait de la politique. Je parle en France. Maintenant, il faut se dire une chose, c'est-à-dire que si demain vous prenez le pouvoir, que vous revenez à ce côté traditionnel des choses, en tout cas au niveau de l'apparence, le retour de ce qu'on pourrait appeler une France chrétienne au niveau des valeurs et de la morale, il faudrait aussi que le positionnement vis-à-vis de ce qu'on peut appeler de manière générale la France-Afrique, de ce qu'on pourrait appeler aussi la suite des accords Sykes-Picot au Moyen-Orient, en fait, que ce principe-là aussi, que la France soit le phare justement de cette libération de l'Afrique et du monde musulman, pour que justement les gens qui souhaitent revenir à un modèle beaucoup plus traditionnel en Afrique ou dans le monde musulman puissent pouvoir justement retourner dans des pays où ce modèle-là est appliqué. Maintenant, je me pose, moi, ce discours, je me pose, moi, en tant que Bilal Barbarossa. Je suis prêt à aider tout Français qui veulent cette chose-là dans le but de derrière, soit libérer le monde musulman pour ensuite pouvoir se réinstaller là-bas, soit, si réellement, vous voulez que l'on, et je parle pas à vous personnellement, monsieur Delesquin, mais à tout, on va dire, un tant soit peu souverainiste qui veut virer ses élites cosmopolites, etc., etc., pour reprendre votre terminologie. Si vous voulez qu'on vous aide et qu'en plus de ça, vous êtes prêt à vous accepter, à nous accepter qu'on reste, etc., etc., il faut au bout d'un moment se dire qu'on a le droit à une contrepartie. En tant que communauté musulmane,
Je m'explique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, appeler les musulmans au soutien de la libération de la France est une chose. Maintenant, si c'est pour qu'au final, si c'est pour qu'au final, nous nous retrouvons avec le même type de discours de la pratique, c'est soit à la mosquée, soit à la maison. Le hijab, il est mal vu. On va dire qu'on n'a pas le droit à une organisation sans que l'État central vienne mettre son nez dans les affaires des musulmans. Là, c'est non. Et je le dis, je le signe. Moi, Bilal Barbarossa, je suis prêt à aider les Français à reprendre leur pays et à retourner à des valeurs traditionnelles dans leur pays sous ces deux conditions-là. Barakallahu fikoum. Bah, Bilal, merci à tous. Alors, avant de laisser messieurs de Lescar répondre, juste, bah, Bilal, toi, t'es pas prêt à aider les Français, t'es Français. Donc, c'est tout naturellement que tu vas aider ton pays, tu vois. Mon frère, regarde, je vais te dire un truc. Je suis français, ça... oui, mais attends, Ziyad, on en a déjà parlé, toi et moi, on va pas refaire l'argumentaire. Ziyad, tu sais très bien que, au-delà de l'aspect national du pays dans lequel je suis né, qui a vu naître mes parents, etc., la vérité absolue de mon identité, c'est avant tout mon appartenance islamique. C'est dans ce sens-là où je dis ça, Ziyad. Non, mais je sais. J'aide les Français en tant que Français, bien sûr, mais surtout en tant que musulman, dans le but que le monde musulman soit libéré, dans le but de retourner dans un monde musulman libéré, ou dans le meilleur des cas, de pouvoir avoir plus de liberté et d'autonomie dans la gestion de notre communauté ici. Non, mais tu sais pourquoi je te dis ça, Bilal ? Parce que moi, je pense pareil que toi. Je me sens pas moins ou plus français que toi. Parce que je pense pareil, c'est pour ça que je te dis ça. Bah justement, on va laisser monsieur Delescar répondre à ça. Ouais. On va laisser monsieur Delescar répondre à ça. Alors, je n'ai pas très bien compris que c'était les deux conditions posées par Bilal. Moi, je dis simplement que la liberté religieuse est un principe. Je ne vois pas pourquoi l'État devrait... Je pense que l'État n'a pas à interférer dans les affaires religieuses des musulmans. Hein. Sauf évidemment... lorsque certains musulmans appellent au djihad et au terrorisme, alors là, c'est différent. Ce n'est pas pour des raisons de sécurité intérieure. Il faut vraiment mettre hors d'état de nuire ceux qui commettent des actes terroristes. Mais ce n'est pas votre cas, donc ça ne vous concerne pas. Voilà, donc la liberté religieuse me paraît une réponse suffisante et qui implique une absence d'interférence de l'État dans les affaires religieuses. Sur ça, on est d'accord. Pour le reste, je crois qu'il y a quand même une différence entre nous, c'est que je pense qu'un chrétien et un catholique ne dit pas que son identité, c'est d'être catholique. Il dit « je suis catholique, mais mon identité, c'est d'être français ». Je crois que les musulmans comme vous se trompent sur la nature des peuples musulmans. On voit bien d'ailleurs ce qui se passe dans l'histoire, hein. Les gens sont musulmans, mais ils sont aussi persans, iraniens, syriens, turcs, et ainsi de suite. Et ça compte beaucoup dans leur identité. L'islam, même l'islam qui soit identique entre des pays sunnites malikites comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, vous savez, ça ne fait pas disparaître les clivages entre ces ethnies, entre ces nations. Surtout le Maroc est une vraie nation, l'Algérie n'est pas une vraie nation, mais la Tunisie est une vraie nation, et tous ces pays. Donc l'identité, c'est un tissu humain fondé sur la famille, l'ethnie, le peuple, la nation, et des traditions nationales qui ne se réduisent pas à la religion. Voilà. Bigax, tu peux... Regardez, Monsieur Delesquin, je vais vous répondre sur ce point-là. En fait, je pense que vous occultez un principe, et c'est pas méchant quand je dis ça, je vous apprécie beaucoup, et on est d'accord sur énormément de points. Mais là, sur ce principe-là, lorsque vous parlez d'identité, c'est-à-dire que c'est des cas qui ont été traités depuis, on va dire, 1400 ans. C'est ce qu'on appelle le principe de la Hezbiya, du tribalisme, si on peut simplifier. Or, ce principe de Hezbiya-là permet d'édicter justement énormément de fondements religieux et de lois religieuses en fonction de l'appartenance tribale, ethnique, etc. Maintenant, autre point, c'est-à-dire que lorsque je parle du monde musulman, j'ai bien parlé de monde musulman, je n'ai pas parlé forcément, a fortiori, de tel état, tel état. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
il faut se dire une chose comme elles sont. La dynastie alaouite actuelle au Maroc est une dynastie viable, mais l'Algérie et la Tunisie font partie d'un territoire qui est beaucoup plus vaste, qui va de la Libye jusqu'au nord Mauritanie. Le sud, on rentre déjà dans autre chose de, au niveau traditionnel, dans une autre forme civilisationnelle. Je parle purement traditionnellement parlant, parce que je pense que vous n'allez pas dire le contraire, que l'Afrique a été découpée à la carte, tout comme le Moyen-Orient. Maintenant, et ça, sans réfléchir justement à ce principe-là de l'héritage civilisationnel de chacun des peuples, de chacun des peuples, des tribus et des empires et dynasties qui étaient présentes sur place. C'est dans ce sens-là où je parle de lorsque, si demain la France et l'Occident est libéré du cosmopolitisme, que ce soit sur tous les plans, il faut aussi que le monde musulman et l'Afrique de manière générale, le Moyen-Orient de manière générale et même l'Asie de manière générale puissent se libérer pour revenir à ce modèle traditionnel des empires et dynasties basés justement sur une ethnicité commune et a fortiori basés sur des fondements religieux. Parce que vous l'admettez vous aussi, c'est-à-dire que nous, notre corpus textuel au niveau religieux est également basé sur un aspect social et politique très fort et très marqué. Oui, le problème se pose surtout pour l'islam beaucoup plus que pour le christianisme. Le christianisme se combine parfaitement bien avec l'identité nationale. En revanche, il y a une contradiction théorique chez vous, les musulmans, entre l'idée de l'Oumma qui doit englober tous les peuples et faire disparaître les frontières et la réalité des ethnies et des peuples qui sont bien distincts et qui n'ont aucune envie de se fondre dans l'Oumma. Mais c'est votre problème, ce n'est pas le mien, si j'ose dire. Merci à vous pour cette question. Alors, il y a quelqu'un qui on va poser la dernière question, mais il y a quelqu'un qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, qui me demande d'inviter Henri de Bourbon ou Louis Vingt. Donc, si vous avez des contacts avec lui, monsieur Delesquin, je suis preneur. Je n'en ai aucun. Honnêtement, ça peut être sympa. C'est pas difficile à trouver. Hein. Il ne s'appelle pas Henri, je crois. Le Louis Vingt, il s'appelle Louis, justement, non? Je crois que ça peut. Ouais, Louis de Bourbon. Je vais essayer de voir comment. Écoutez, sur Internet, vous n'aurez aucun mal à trouver un contact avec son secrétariat. Voilà, puis écrivez à son secrétariat. Je vais essayer de voir, ouais, exactement. Voilà. Je vais essayer de voir. Très bien. Alors, je vous pose la dernière question et après, on va conclure parce que je commence à avoir une sacrée faim. Alors, de Morad Islam qui nous dit. Ouais, moi, j'ai déjà dîné. Hein? J'ai dîné avant l'émission. Ah ouais, non, moi c'était l'heure de la prière, malheureusement, et j'ai dû repousser mon dîner. Alors, monsieur Delesquin, si une personne est d'ascendance française, mais qu'il est pour l'application de la charia, cesse-t-il d'être français, ouais, ou bien la composante raciale prime? Ziyad, là, les questions comme ça tourne en rond. La réponse a été donnée. Il y a le concept de Ummah, qui est la nation, d'ailleurs, qui signifie nation en arabe. Le musulman qui veut être en paix avec ses préceptes et ses concepts, les concepts auxquels il dit adhérer, il se doit d'être un membre de la nation de l'islam. C'est tout, la Ummah. Et s'il vit en territoire qui est extérieur à l'islam, qu'il s'adapte dans son quotidien et qu'il fasse les efforts pour en sortir. Non, mais ça, c'est le point de vue musulman. Mais moi, je vais vous donner le point de vue national français qui est différent. Il y a trois sortes de Français. Selon la loi. La loi ne fait aucune différence entre eux, mais il y a trois sortes de Français, en fait. Il y a d'abord les Français de sang, qu'on appelle les Français de souche aussi. Alors, je donne une définition précise, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Le Français de sang, par définition, c'est un Français, une personne de nationalité française, dont la majorité des ancêtres... c'est un Français de race caucasoïde, dont la majorité des Français, des ancêtres en l'an 1000, étaient sujet du Royaume de France ou des provinces voisines qui ont été annexées par la suite à la France et qui en font encore partie. Fin de définition. Et le fait qu'on se convertisse à l'islam, que pour ma part je regretterais, je préfère qu'on se convertisse au christianisme, ne change rien à ce fait. Donc on reste français de sang, et donc français, même si on est musulman, bouddhiste, hindouiste, etc. Ça ne change rien au fait qu'on reste français.
Il y a les Français d'adoption, ce sont ceux qui ne sont pas des Français de sang, mais qui sont vraiment assimilés. Et puis il y a les Français extérieurs, inassimilés, qui ne sont ni des Français de sang par les ancêtres, ni Français d'adoption par, pas seulement les opinions, attention, hein, le mode de vie. Le mode de vie, la façon de vivre. Un Français d'adoption est assimilé s'il vit avec des Français de sang et pas s'il vit dans une communauté séparée. Voilà, je crois avoir répondu. Donc un Français de sang qui se convertit à l'islam, à la liberté religieuse pour lui, mais il ne cesse pas d'être français pour autant. Du coup, comme Magic a décidé que la question était... on va en prendre une autre, hein, Magic. alors, Morad qui nous dit, monsieur de l'Esquin, que pensez-vous? Non, mais parce que t'as poussé pour cette question, hein. Bien joué la technique. Hein. Ah là 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 là. Laquelle, voyons. Ah, celle du glaive est beaucoup. Ah oui, celle-ci. Ah, ouais. Ah oui, attention. Alors, on va terminer avec celle-là. Alors, on va terminer avec celle-là. Qui nous dit. Je la connais. C'est la thèse du glaive et du bouclier a été énoncée par un résistant qui s'appelle le colonel Rémy. Et il a dit pendant la Seconde Guerre mondiale, après la défaite de la France en juin 1940, jusqu'à la libération de la France à partir de juin 1944, le maréchal Philippe Pétain était le bouclier qui a protégé les Français, tandis que le général Charles de Gaulle était l'épée qui, avec les alliés américains et anglais, a permis de repousser l'envahisseur allemand. Et je crois que cette thèse est juste et je l'adopte. Donc je suis gaulo-pétainiste comme le colonel Rémy. Voilà, j'ai répondu. Au moins c'est dit. Eh bien, écoutez, on va arriver à la conclusion. On va chacun donner son petit mot de conclusion et on terminera par vous, monsieur de l'Esquin. Kentra, si tu veux conclure, Bilal, Malik, puis monsieur de l'Esquin, et nous clôturons cette émission et je me mettrai à table, non pas pour balancer, mais pour manger. Kentra, si tu veux conclure, mon frérot. Eh bien, c'était une très très bonne émission. Je suis très content d'avoir connu Monsieur Lesquin. C'est un plaisir. Attendez, c'est Monsieur de Lesquin. Vous pouvez m'appeler Lesquin, mais il faut dire Monsieur de Lesquin. Mon nom, c'est de Lesquin. Ah, c'est Monsieur de Lesquin ou Lesquin. Voilà, bah voilà. Au vocatif, c'est Lesquin. Voilà. D'accord. Bah, Monsieur de Lesquin, c'était un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes vraiment très inspirant, intelligent, tout ça. Donc voilà, ouais. C'est toujours intéressant de discuter avec des gens comme ça, qui sont en plus ouverts au débat. Ça, c'est cool, vraiment très très cool. Et puis très bonne émission. Merci à toi, Zé, d'avoir organisé ça. Merci Malik, merci Bilal, c'est cool. Merci à toi d'avoir accepté d'être avec nous pour ce soir, Kentra. Bigal, tu veux conclure, mon frérot? Ouais, en plus, je viens de boire de l'eau, j'en avais bien besoin. moi, ma conclusion, elle est celle-ci. C'est ce qu'on reçoit pour le troisième. Le troisième round, monsieur de Lesquin. J'aurais dû mettre troisième round, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, voilà. En français, la troisième manche, chers amis. Oui, pas. Ou la troisième reprise. Pardon, pas notamment anglais. Pas d'anglicisme. La troisième reprise ou la troisième manche. Donc, nous sommes à la troisième manche avec monsieur de Lesquin. Voilà, en tout cas, c'est toujours un réel plaisir. Un réel plaisir, et je le dis vraiment sincèrement, d'échanger avec vous. Et écoutez, hein, j'ai envie de vous dire que on l'a encore prouvé ce soir, nous ne sommes pas des enfants de cœur, nous sommes RPTV. Et à bientôt pour le quatrième round, pour la quatrième reprise sur à Radio Athéna, dans les locaux de Radio Athéna. Donc ce coup-ci, nous jouerons en extérieur. Voilà. Ah. Avec grand plaisir. Par contre, s'il te plaît, Bigel, si tu peux couper ton micro, merci frérot. Malik, si tu veux conclure. Oui, t'inquiète pas, je ramènerai la gel là-bas aussi, t'inquiète. Bilel apparemment passe devant une usine nucléaire ou électrique. Alors, Bigel est en Ukraine ce soir. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il est en Ukraine. Voilà. Il échappe à Wagner. Je regrette que nous n'ayons pas parlé de l'Ukraine, c'est quand même un sujet intéressant. J'avais des choses à dire. Hein. Ouais, j'aurais aimé qu'on en parle, mais franchement, là, on manque vraiment de temps, quoi. Eh oui, les amis, il fallait demander, il fallait poser la question. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, troisième échange très agréable, très cordial, avec encore une fois, nous parlons
comme le dit Lugan, nous parlons viril ici. Et il n'y a aucun problème, au contraire, à s'affronter avec la bienséance nécessaire, la bienséance qui est inhérente à chacun d'entre nous, qui représentons une culture, qui représentons une nation, une umma à part entière. Voici, salutations sur vous, et puis on espère un épisode 4. Donc là, nous étions à la revanche pour calquer sur l'œuvre de George Lucas, la revanche des souverainistes, épisode 3, la revanche des Sith, épisode 4, un nouvel espoir. Donc on espère justement qu'il y en aura un autre. Exactement. Et monsieur Dolesca, j'ai juste une question. Est-ce que vous avez Instagram ? Écoutez, je ne l'utilise pas. Oui, je dois avoir un compte Instagram, mais enfin, ça fait... je ne l'ai quasiment jamais utilisé. Ouais. J'utilise Telegram. J'utilise Facebook. J'espère revenir bientôt sur Twitter. Éventuellement WhatsApp. Messenger. Mais j'utilise d'abord Telegram et Signal. Très bien. Non, parce qu'en fait, sur Instagram, on peut faire des lives et ça aurait été intéressant, justement, on aurait pu... faire des lives, faire des directs. Je peux utiliser Instagram. Hein. Non, mais ça, si vous me le demandez, je peux le faire. Hein. Je n'ai pas eu l'habitude. Vous savez quoi, si samedi soir, vous n'avez rien de prévu, on peut essayer de faire ça et parler de la Russie-Ukraine sur Instagram. Excellent. Instagram, ouais, sur quel compte Instagram? Vous me donnerez par mail. Vous me donnerez votre compte Instagram, je vous ajouterai et on mettra ça en place. Je ne vous dirai, parce qu'il faudra que je regarde. Je me rappelle vaguement avoir ouvert un compte Instagram il y a des lustres, si j'ose dire. Il y a un lustre, parce que la lustre, c'est bon. Mais voilà. Est-ce que je peux ajouter quelques mots après ce que j'ai entendu? Pardon? Puis-je ajouter quelques mots de conclusion? Oui, bien sûr. Bah, c'est ce que j'allais vous dire, si vous avez un mot de conclusion. Ah, j'en ai plusieurs. Alors, premièrement, merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Pas de problème. Air cordial, comme vous l'avez dit. Je vais taquiner Malik, puisqu'il a terminé sa conclusion en citant un auteur marxiste, George Lucas, qui est une horreur. Quoi. Les marxistes, c'est une horreur. J'ai été surpris. Là. Je me suis dit quand même, là, le Malik, il est en train de mal tourner. Hein, parce que je dirais qu'entre le marxisme et l'islam, il n'y a aucune réconciliation possible. Mais je me disais la même chose. Quant au fait que vous ayez Instagram, c'est très cosmopolite. Ça me fait peur, vous concernant, monsieur Dolesca. Non, sauf que c'est un instrument. C'est l'usage qu'on en fait qui est cosmopolite. Ce n'est pas l'instrument lui-même. L'œuvre de Lucas est également un instrument. C'est bien ça que je disais. Non, c'est comme si vous me disiez que la psychanalyse était un instrument. Non, le marxisme, c'est l'horreur. 200 millions de morts. Non, j'exagère. 100 millions de morts. Allez, 100 millions de morts, c'est le marxisme. Voilà. Le marxisme. Ces gens-là ont du sang sur les mains. Bon. Ah oui, bien alors sûr. Maintenant, je voudrais dire. Que, objection, vous avez dit la nation de l'islam, donc vous n'avez pas tenu compte de ce que vous avez dit juste avant, je pense qu'il y a des dizaines de nations dans l'islam, et que vous avez un problème interne que vous essayez d'effacer, tout en disant le contraire, ces différences qu'il y a entre des nations comme le Maroc, la Tunisie, l'Irak... Ce sont des patries, ce sont des patries. Le Liban, et ainsi de suite, il y a beaucoup de nations dans l'islam, il n'y a pas une nation... une nation musulmane. Vous êtes multiples. Et vous avez un problème d'essayer d'effacer ces différences. Ça ne marche pas. La force des particularismes l'emporte sur la volonté écuménique que vous avez d'effacer ces différences. Non, bien loin de là, puisqu'il y a une supranation qui est la Oumma de l'islam et qui intègre ces diverses nations comme la Perse, l'Inde, l'Arabie qui est le berceau, l'Afrique du Nord, etc. Et c'est cela, donc on parle aussi de l'Andalousie, c'est cela qui a mené à la construction de la Oumma, puisque quand le messager de Dieu parle de Oumma, et quand le Coran, donc les paroles divines directement inspirées, révélées au prophète, parle de Oumma, il est question de pluralité, mais de Oumma qui se réunit autour du dogme, donc de l'unicité divine et de l'apostolat du dernier des prophètes selon l'islam, donc Mohammed, là il est question d'une Oumma de foi. C'est bien de ça dont il est question, il est question d'une nation Malik, de foi. Malik, je connais et cet idéal, pas... je connais les principes. Alors vous ces me dites, principes aboutissent... si vous voulez qu'on relance un débat, vous me dites. Ces principes aboutissent au califat universel, l'idéal musulman, c'est le califat universel.
Ce que je vous dis, je vous oppose le principe de réalité, ça ne marche pas. Ah, le califat universel a éclaté et les nations veulent être libres. Le monde s'est fragmenté. Voilà. Car le califat, justement, le califat a toujours considéré les particularismes et les régionalismes. Et c'est pour cela qu'il y a eu des émirats par région. Il y a eu des émirats par région et des sultanats par région intégrés au califat. Il a fini par éclater. Bon, je crois que la réalité pousse à la dissociation de ces empires. Et c'est pour ça d'ailleurs que, je fais un parallèle qui va peut-être vous choquer, mais l'Union européenne qui veut être un empire ne peut pas fonctionner et finira par éclater. Bien. Alors, je termine en disant… J'allais dire à Henri Bilel, et je te laisse finir, c'est que le califat est le modèle politique qui porte le projet de la Oumma, mais même sans califat, il y a une Oumma. Je ne crois pas que vous soyez khutbiste, c'est Khutb qui lui considère que s'il n'y a pas de califat, il n'y a pas d'Oumma. L'islam considère que même sans califat, il y a une Oumma, donc une supranation. Et c'est pour cela que j'insiste sur cela et que tout musulman, qu'il soit un exégète ou qu'il soit un traditionniste ou qu'il soit un adorateur lambda, est conscient de cette réalité. Oui, Bilal. Oui, donc je répète un point essentiel. Je tiens l'islam pour une grande religion, bien que ce ne soit pas pour moi la religion vraie, parce que la religion qui est la vérité totale, c'est le christianisme et l'islam. Je crois qu'il y a une part de vérité dans l'islam. Un pieux croyant musulman donc peut arriver au salut éternel en pratiquant bien sa religion, bien que selon moi, il y arrive plus difficilement que s'il était chrétien, puisque c'est le christianisme qui est la vraie religion. Il y a nécessité de respect mutuel entre les grandes religions. Exact. Et non pas de... Autrement dit, il ne faut pas être hostile. Tout à fait. Il faut pas être hostile. Il faut accepter... Il ne faut pas mépriser l'autre, il faut accepter la grandeur de l'autre. Je crois l'avoir déjà dit, mais dans les sept merveilles du monde d'aujourd'hui, je mets au moins deux merveilles qui sont musulmanes, qui sont le mausolée Taj Mahal en Inde et l'Alcazar de Grenade, qui sont des merveilles architecturales. Tout à fait. Absolument magnifiques. Bon. Alors, l'Alhambra, notamment de l'Alhambra. Pardon ? On peut citer l'Alhambra. Oui, mais excusez-moi, l'Alcazar, c'est une partie de l'Alhambra. Oui. L'Alcazar, c'est la plus belle partie de l'Alhambra. J'aurais pu dire l'Alhambra. L'Alcazar, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'Alhambra. Voilà ce que je voulais dire. Donc, respect mutuel. Et surtout, n'oublions jamais que nous avons un ennemi commun qui détruit la morale, qui détruit la famille, qui détruit la nation, qui détruit la religion. C'est le cosmopolitisme. L'idéologie cosmopolite. Le cosmopolitique pas correct. Qui est le libre-échangisme, et qui est l'atlantisme, mais qui est aussi le mariage homosexuel, la théorie du genre, la transsexualité. C'est l'ennemi commun. Tout à fait. Exactement. Eh bien, merci à vous, monsieur de Lesquin. Merci à vous. Et on... Mariez-vous et faites des enfants. Ah oui, voilà. On a fait cinq, quoi. Oui, bien sûr, on le sait. Et écoutez, comme je vous ai dit, je vous recontacte par rapport à samedi, on voit comment est-ce qu'on met ça en place. Et comme ça, on va aborder le sujet Russie-Ukraine sur Instagram. Ce sera, je pense, un petit peu plus intéressant. On fera interagir aussi les abonnés qu'on a sur nos différents comptes Instagram. Parce que sur l'Ukraine, nous avons une pensée unique qui est absolument insupportable. Ah oui, mais on va en parler. De propagande et un matraquage permanent. Non, on va en parler, ça va être intéressant. J'aurais voulu qu'on en parle ce soir, mais on manque vraiment de temps. Et ça fait déjà 2h, presque 2h30, sinon là, on s'arrête. 2h30, ouais. 2h30, exactement. Alors, quant à nous, on se retrouve, on reste en off rapidement, là, après le générique. Quant à nous, on se retrouve demain pour l'émission de Malik, 21h30, c'est la suite de son émission de la semaine dernière, exactement. Donc c'est la suite de son émission de la semaine dernière, 21h30, jeudi la libre antenne, et samedi on va essayer de mettre en place cette émission avec monsieur de Lesquin sur Instagram. Sidi, je t'ai débloqué, t'inquiète. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain 21h30. Passez une bonne soirée à tout le monde, ciao.